Et bienvenue! Bienvenue dans Console Mania, bienvenue dans Shadow of the Beast, et je suis de très bonne humeur. Oui, je suis de très bonne humeur car ça va être fun. Ça va être fun, on va passer un très bon moment. On va passer une très bonne semaine, hein. Franchement, je pense que c'est une des meilleures semaines que Console Mania a vécu depuis, hein, depuis le début. Je pense que, ouais. Je pense que ça va être bien. Ça va être tellement bien qu'on va commencer assez fort. On va commencer assez fort par la baise, la baise, la baise. Oui. Alors, on va continuer Shadow of the Beast, ou plutôt commencer. Alors, pourquoi vous allez me dire commencer, sachant qu'on a déjà commencé vendredi dernier. Tout simplement en jouant à une autre version de Shadow of the Beast. Oui, hier, quelqu'un de très gentil m'a dit, m'a répété et m'a demandé plusieurs fois de jouer à la version Jap de Shadow of the Beast. Mais il m'a dit, écoute, là j'en ai marre. Maintenant, joue à la version Jap. S'il te plaît, tu vas voir qu'il se passe des choses. Et bon, je me suis dit, bon, allez. On va lui faire confiance, j'essaye. Et là, en jouant à la version Jap, je me suis rendu compte que là, un jeu vidéo, ça peut vraiment changer entre les versions. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, je le répète, j'ai le droit, hein, j'ai totalement le droit de jouer à n'importe quelle version. Je vous baise tous, n'oubliez pas. Et mon Joker Safe State plus mon Joker public seront toujours utilisés. Je ne peux pas utiliser de safe state. C'est-à-dire que là, je dois one try le jeu. Je dois first try le jeu. Allez, on va first try le jeu. Vous le savez, préparez vos first try. Ça va commencer. Et là, qu'est-ce qu'il se passe? Voilà. Il y a dans la version Jap, il y a des options. Dans la version Jap, il y a des options. Et quand tu vas dans les options de la version Jap, et tu vois qu'il est possible de rajouter de la vie. C'est fou la vie quand même de se dire que au final ça tient si peu de choses. Si peu de choses et de se dire que bah tu vois il y a facilement il y a possibilité de déjà se dire que le jeu sera plus simple. Alors le jeu sera plus simple. Alors tu te dis bon le mec quoi il a 18 points de vie, what the fuck, il va totalement pas finir le jeu, de toute façon, c'est de la merde. Oui, c'est de la merde, mais rappelez-vous, alors, attention, on va en fait, je pense qu'on va faire un test. Donc là, regardez bien mon personnage, regardez bien les couleurs, regardez bien tout ce qu'il se passe, et regardez bien ce que je vais faire. Je vais donner des jabs, je vais donner des jabs avec mon personnage. Et comme vous voyez, plus j'appuie vite sur le bouton, plus tu vois que mon personnage s'excite un peu, tu vois, il a envie de taper, il a envie de taper, on dirait Street Fighter. Et plus je bourre, il manque plus qu'un bouton turbo et je suis invincible. Donc tu vois, c'est génial. Là, je vais charger pour vous la version US, juste pour vous faire voir, hein, juste on va passer un bon moment, on va vraiment passer un bon moment. Voilà, donc là, je vais charger la version US de Shadow of the Beast. Voilà, Electronic Arts, c'est vraiment bien. Donc là, bien entendu, pas d'option, hein, parce que tu vas bien te faire enculer. Et donc là, les couleurs sont un peu moins jolies. Et là, regardez bien, si je bourre, tu vois que si je... Là, je bourre, hein. Là, je bourre, là. Là, tu vois, je bourre. Ah, ça se voit, hein, ça se voit que c'est vachement mieux. C'est vachement bien, et quand même... C'est vachement cool. C'est vachement cool de se dire que cette version, finalement, supérieure version, on va faire la version Jap. Voilà. Donc vous avez vu, hein, vous avez vu la différence de couleur et la différence de c'est de la merde. Et du coup, on va jouer à la version Jap. On va jouer à la version Jap. Il y a des différences, hein, y a clairement des différences. Il y a plus d'ennemis sur la version Jap. Ce n'est pas une blague. Donc, et du coup, bah, on va jouer au jeu en version Jap. Donc, il est midi 05. Hein, j'ai commencé à midi 05. Démarrer votre chrono. Je pense que même je vais démarrer le chrono. Je pense qu'il faut démarrer le chrono. C'est important. Je vais démarrer un chronomètre parce que ce jeu, on va lui mettre une note assez spéciale. Donc, je démarre le chronomètre. Voilà. J'ai démarré un chronomètre. Pour savoir la durée de vie de Shadow of the Beast. Donc, on y va. On va faire ça. On y va, hein, parce que bien entendu, hein, c'est ce qui est. On devait faire ça, on devait passer par là.
Voilà, donc là, je passe par là, bien sûr, je m'en branle. Donc voilà, hein, bien sûr. Voilà, voilà, j'ai démarré mon chronomètre, hein, bien entendu. Donc voilà, donc là, elles étaient vertes, hein, ces bêtes-là. Donc on continue, hein, on est bien, on est content. Voilà, 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 voilà. Donc je fais, tatatatatat, voilà. Donc là, cet ennemi n'était pas là, hein. Enfin, ce truc qui tombe du haut, là, n'y était pas. Rappelez-vous, il n'y était pas. Il n'y était pas, mais c'est pas grave. Il fallait que vous le... Voilà, tu l'as vu. Tu l'as vu qui m'ont cul. Là, je vais juste aller chercher de la vie. Je vais chercher de la vie parce que j'ai 9 points de vie et je peux en avoir beaucoup. Beaucoup plus. Donc on va aller... Oui, c'est un peu comme 2X, ouais. C'est vrai que dans un sens, il y a un petit côté 2X. Donc je vais chercher la vie, voilà, j'ai cherché la vie. Voilà, à la limite, je tape, voilà, on s'en fout, on l'a tapé. Et on va chercher le Hadoken, bien sûr. Gros gros Hadoken. On va chercher le Hadoken. On m'a dit que la clé ne servait à rien, donc je ne vais pas chercher la clé. Voilà, oui. Ah, bravo. Perdre un point de vie comme ça, c'est pas bien, mais bon. Par contre, bon. Comment expliquer que les... Non, non. Ah, non. Ah, les hitbox, bon, elles sont mieux, mais elles sont pas... Elles sont mieux, mais elles sont pas... Elles sont mieux. Allez, on continue. On passe là. Voilà. On passe là, donc on a tous vomi, hein. Ramassez, prenez un sac. Pas besoin d'un Oculus Rift, c'est génial. Voilà. Voilà, donc lui... Tu vois, finalement, c'est plus drôle, hein, c'est vachement plus drôle. Et il y a du sang dans les versions Jap, hein, bien sûr, les Japonais ont le droit de mettre du sang, pas nous, voilà, donc lui, il est mort, hein, bien sûr. Donc on continue, voilà, voilà, on s'amuse, je m'amuse, le jeu vidéo c'est bien, voilà. Donc t'as vu, il y avait normalement pas ses ennemis derrière, hein. Avant, il n'y avait pas les ennemis derrière. Là, on va appuyer sur le bouton, hein, qui va me permettre de récupérer la potion de so much power. Voilà, voilà, voilà. Le mec derrière qui essaie de me taper, mais ça ne bouge pas, donc on va lui casser sa gueule. Voilà. Oh, rappelez-vous, il y a une clé à aller chercher, qu'on va aller chercher, ainsi que une potion de full vie. Donc on y va, hein, on y va, là je cours. Il y a les yeux dégueulasses. Voilà, normalement il devrait avoir un truc là dans l'écran juste après, que je vais devoir me prendre. Voilà, de toute façon, c'est gratuit, hein. C'est gratuit, de toute façon j'ai 18 points de vie, alors ce n'est pas très grave, hein. Voilà. Ah, ça fait peur le sang, surtout. Surtout. Surtout le sang. Je peux comprendre. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, voilà. J'ai pris la max, c'est pas grave. C'est pas un problème. Je prends la potion qui a changé de couleur, hein, bien entendu. Le tututut, tututut, tututut. Passez un bon moment. Tututut, 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 tututut. Allez. On continue, on descend et on s'en va. Et on s'en va, c'est le temps de s'en aller. Un beau. Beau petit. Petit escargot vert. Salut Last Night et salut à tous, hein, des bisous. Donc on y va. Là je sais plus. Ah oui, ça c'est vrai que. Ouais, d'accord. Ah voilà, il y en avait un là. Parfait. J'avais oublié qu'il était là. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc là, le petit logo de Psygnosis. Enfin, oui, de l'éditeur. L'éditeur, les mecs qui ont créé le jeu, je sais plus. Pas l'éditeur, non. Développeur. Ah oui, donc là. Attends, je vais vous montrer quand même quelque chose. Regardez, si je bourre, je peux tous les baiser normalement. Non, presque tous les baiser. Presque tous les baiser. Ça va, j'ai perdu un point de vie, techniquement. Quand on en est là, on en perd 72. Parce qu'il faut bien sûr, dans le jeu original, timer tout ce que tu fais. Voilà. Mais là, qu'est-ce qu'on s'en branle ? J'ai envie de te dire. Petit trip sur LSD, exactement. Donc là, il y a la mouche qui pète. Voilà, la mouche qui pète. On descend.
On continue, hein. On prend du bon temps. Là, je prends du bon temps. Salut Félix. Je prends du bon temps, hein. J'ai l'impression même de m'amuser. C'est assez bizarre comme sensation. Je prends du bon temps. Allez, on continue à prendre du bon temps. Cet ennemi n'était pas là, hein. Il y a plus d'ennemis sur la version Jap, ce n'est pas une blague. Donc je prends la potion de So Much Power. On descend. Rappelez-vous, je descends. Je descends tout le temps. Là, de toute façon, je n'arriverai toujours pas à ne pas me prendre de dégâts, donc je me prends des dégâts. Et là, c'est drôle. Et là, déjà, vous dites qu'il va se passer quelque chose. Donc là, rappelez-vous de ce boss. Il est chiant. Mais quand t'es dans une version Jap, finalement, pourquoi se prendre des dégâts? Je veux dire, quand on est dans une version Jap, pourquoi se prendre des dégâts quand on peut tout bourrer et finalement démonter ce boss-là en 2 frames. Donc voilà, après on s'en va. On s'en va et du coup, on s'en va. Voilà. On s'en va, GG easy. J'ai envie de te dire, mais qu'est-ce qu'il vient de se passer? Personne n'a compris ce qu'il vient de se passer. Et bah je peux te l'expliquer. Il semblerait que j'ai one shot presque un boss. Je l'ai totalement ouvert en deux. Donc on y va, hein, on continue, hein, on continue. Oulala, c'est dur la vie. Voilà. On y va. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse. Alors je crois qu'il y en a un qui doit arriver de l'autre côté. Non, c'est après. Voilà, donc là lui je le bourre. Voilà. Donc c'est après je crois, hein. C'est après, faut pas que je fasse le con. Normalement c'est après, hein. C'est après que ça va venir de l'autre sens. Non, bah voilà, j'ai pas réussi à me retourner, mais c'est pas grave, à la limite, c'est pas grave, j'ai 18 points de vie, on s'en fout, on y va, mais ça doit arriver normalement, ça doit arriver, ah non, voilà, on s'en fout, donc là les yeux, voilà, on continue, les yeux, voilà, on y va. Là, voilà. Mais je me le suis quand même pris. Voilà, je le savais, je l'ai su au moins une demi-heure à l'avance. Mais ne t'inquiète pas, il faut quand même pas que les hitbox soient bonnes. Faut peut-être pas abuser quand même. Le jeu est peut-être mieux, mais faut pas que les hitbox soient parfaites quand même. Faut respecter le jeu vidéo et faire de la merde, hein, voilà. Voilà, on se baisse, là il va avoir des ennemis dégueulasses. Ah bah, bien sûr. Donc là, eux, ils sont verts, super. Voilà, c'est génial. Donc il va en avoir deux d'un coup, hein, bien sûr, mais maintenant que j'ai le mode turbo, à quoi ça sert? J'ai envie de te poser la question. Voilà, donc je me baisse. Donc j'ai 15 points de vie, hein. 15 points de vie alors que je crois que j'en avais que à peu près 7 quand je suis arrivé ici. Et quand, bien entendu, j'ai sauvegardé, hein, parce que là, la save state, je me la fous au fion, hein. Pas de save state, hein. Donc j'avance. On va prendre ça parce qu'on a besoin. Voilà, on avance, on rentre. Donc, oh là, le monsieur me dit en japonais que c'est très bien, que je peux rentrer et que je peux faire comme chez moi. Donc, on va rentrer ici. Hein. Donc là, on va laisser passer le monsieur. Voilà. Bon, j'ai pris un point, j'ai pris un dégât, mais c'est pas grave à la limite. Tu vois, genre on sait qu'ici, il y a possibilité. Voilà, c'est pas grave. C'est normal, madame. C'est normal. Donc lui, on le bourre. C'est ton corps qui change. C'est normal. Donc 10 points de vie. 10 points de vie. Je vais te dire, on continue. Et là quand même, il faut essayer de jouer un peu plus aux jeux vidéo. Donc on va essayer de jouer un peu plus. On va essayer de jouer un peu mieux surtout. Voilà. Donc je me prends un coup, hein, à la base. C'est pas très grave. 16 points de vie, je vais te dire. Ça va. Bon, là je me prends un autre coup. C'est pas ma faute. Je vais me prendre un autre coup, je pense. Ça va. Allez, donc on y va. Là, il y a un ennemi normalement à droite. Voilà. Donc. Et on est bien.
Donc bien entendu, si je perds, hein, je dois tout recommencer. J'accepterai bien sûr de tout recommencer le jeu sans problème. Le scénario, c'est tu les tous. Ah non, mais ce jeu, de toute façon, il est génial. Hein. On m'a dit qu'il était génial, il est génial. Hein. Car si vous n'aimez pas ce jeu, vous êtes une personne de mauvais goût. Vous avez des goûts de chiottes. Voilà, donc là, j'avance, je prends ça. On va faire le leg skip. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Si tu perds, on te donne un gage, bien entendu. Bien entendu. Le petit gage. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Oui, bien sûr. Hein, hier, je n'ai bien entendu pas joué à ce jeu. Vous n'étiez pas là. Personne n'était là, d'ailleurs. Personne n'était là pour me voir jouer à ce magnifique jeu. Bon. Par contre, tu te prends toujours des coups. Hein. Ça, par contre, ça ne change pas. Je veux dire, il faut obligatoirement que tu te prennes des coups. Hein. Ça, c'est obligatoire. Voilà, donc ça a toujours été de la merde. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave, j'ai pas mal. Alors là, voilà. On s'en fout. Je me prends des coups, hein. C'est gratuit, mais on s'en fout à la limite. On s'en fout, car le jeu va devenir intéressant dans pas très longtemps. Dans pas très longtemps, le jeu va devenir beaucoup plus intéressant que tu ne le penses. Voilà, là le jeu commence à prendre une autre tournure. Donc tu te dis, mais attendez, mais qu'est-ce qu'il se passe? Mais pourquoi il a une arme? Et oui, j'ai une arme. Salut Calé, des bisous. Oui, c'est ça y est, le jeu vidéo c'est bien. Le jeu vidéo ça commence à être mieux. Ça c'est bien là. Ouh là là. Oh le jeu, là, qu'est-ce qui se passe? Mon dieu, mais pourquoi a-t-il une arme? Mais pourquoi a-t-il une arme? Mais qu'est-ce qu'il se passe? Mais pourquoi? Donc, pourquoi? Parce que le jeu vidéo c'est bien. Donc là je vais prendre mon temps parce que j'ai pas envie de perdre. Voilà. 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 J'ai pas envie de perdre de points de vie. C'est important. Là, à partir de ce moment-là, je devrais essayer surtout de d'économiser mes points de vie. Bien sûr, j'en ai perdu deux. Merci. Donc voilà, on avance, on continue, on continue. Voilà. Oulala, le jeu vidéo, c'est bien. On aime tous le jeu vidéo, voilà. Alors. Là, c'est chiant. Voilà. Donc là, c'est chiant. Je vous préviens, c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. On se fait chier, c'est chiant. Je me fais chier. Ah, on se fait toucher. Faut que ça s'arrête là, monsieur. Faut que ça s'arrête. C'est chiant. C'est vraiment chiant. C'est chiant. C'est chiant. Voilà. C'était... Mais la ferme. Voilà. Allô. 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 Attendez. Allô.
Allô? 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 Tu m'as pas baisé quand même, je vais devoir recommencer le jeu? C'est pas grave, je recommence, bon, ah là là, nous sommes déjà à 16 minutes 37, le chronomètre s'affole, bon, c'est pas grave, je pense qu'il me manque un objet, la clé que je n'ai pas pris dans vous savez quoi, il fallait peut-être la prendre. Voilà. Alors que hier, on m'a dit de surtout pas la prendre, que ça ne servait à rien. C'est pas grave. Il y a aucun problème. Je veux dire, pourquoi il y aurait un problème d'ailleurs? Pourquoi il y a un problème? On m'a baisé. On m'a donné des fausses informations. Ce n'est pas grave. C'est ton corps qui change. C'est une porte pour ouvrir le vide, exactement. Tout le monde le sait. Ouvrir le vide, c'est peut-être la meilleure chose. Allez. C'est pas grave. On a perdu 16 minutes de notre vie. On a perdu 16 minutes de notre vie, mais dans un sens, dis-toi que ces 16 minutes, on les a gagnées sur le prochain jeu. Parce que j'en suis sûr que 16 minutes, tu vas te remarquer que 16 minutes dans Super Elite League, c'est quand même long. Hein, c'est peut-être trop long d'ailleurs. Il n'y a plus de chaîne de rétro indé pour le moment. Mais sache que si tu veux. Tu peux avoir les VOD de Console Mania que j'upload hein, tous les jours hein, tu peux demander et des gens ici doivent sûrement les regarder d'ailleurs n'hésite pas à leur demander si tu veux je peux même te passer le lien. Donc voilà, cette clé qui avant on m'a dit ne servait à rien. Mais si ça se trouve, elle sert à quelque chose. C'est pas grave. Si je me suis fait baiser, j'accepte. J'accepte de m'être fait baiser. Voilà. Oui, je perds 16 minutes, mais je gagne 16 minutes. Pourquoi tu veux que je gagne 16 minutes? Parce que juste après, il y a Super Elite League. Et Super Elite League, les 16 minutes que j'ai gagnées là, je les aurais perdues dans le prochain jeu. Et vraiment, j'ai pas envie. Merde. C'est la preuve que tu vis, bien sûr. Ouais. Pas grave. Comme ça, vous aurez vu deux fois le jeu. Peut-être même trois fois si je n'y arrive pas, first try. Parce que bien sûr, hein, c'est toujours le first try. Hein. Je n'ai pas eu de game over, donc c'est toujours le first try. Bien entendu. Voilà. Est-ce que la version super... de quoi ? La version Jap de Super Elite est plus confortable, je ne sais pas, je n'ai pas envie de savoir, j'ai envie de te dire, je crois que non. Je crois qu'il n'y en a pas. Non ? Si, salut Mister Glacial, il y avait une safe state au château, mais en fait on a décidé, après de longues discussions, de passer sur la version Jap. Qui, regarde, tu verras, me semble un peu plus, accessible.
et plus fun. Voilà, parce que bien sûr, on est, c'est l'émission du fun. Hein, Console Mania a toujours été l'émission du fun. Le 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 fun, le fun, le fun, le fun, qu'est-ce que le fun? Le fun, le fun. Donc cette fois j'ai les deux clés, hein. J'ai les deux clés, j'ai toutes les clés. D'ailleurs je ne sais pas qui hier m'a dit que ça ne servait à rien de prendre la clé d'en bas. Je te déteste, dans un sens je te déteste. Meurs. Meurs. Je veux jeter un œil, bien sûr. Merci. Merci. Surtout, mais qu'est-ce que le fun finalement? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que l'humain? Qu'est-ce que quoi? Tu vas me dire que ça, il m'a one shot là? Connard. Enfin, il m'a touché. Allez. Voilà, qu'est-ce que le fun, dans un sens. Oh, oh là là, qu'est-ce que le fun. Voilà. Twi. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais ça, on s'en fout, à la limite. Vraiment, vraiment, qui se baisserait pour taper? Personne. Personne, personne, personne. Sachant que t'as une potion ici. Qu'est-ce que le jeu vidéo? Qu'est-ce que le jeu vidéo, surtout? Voilà. Petite claque. Attention, la mouche qui pète. Ah, la mouche qui pète. Voilà. Impossible à dodge, hein. J'ai essayé sous toutes les formes, je sais pas comment on fait. Mais il y a sûrement un moyen de dodge, hein, mais sûrement pas dans... dans ce monde-là, peut-être dans un autre monde, mais pas celui-ci en tout cas. Voilà. Allez, potion de power. Power. Un petit chien au fond, je sais. Parfois, il arrive comme ça que vous voyez Hector. Ce n'est pas une illusion. Hector est parfois là. Donc, petit boss. Qu'on aime beaucoup. Voilà. Petit boss qu'on vient de tuer. Ah, merci Manitou pour ton deuxième mois de sub sur la rétro indé. Merci beaucoup. Resub hype. Je sais que ce jeu t'a donné envie de sub et je te remercie. Tout le monde te remercie. Tout le monde. Surtout moi. Voilà. Donc là, je suis mauvais. Voilà. Merci. 17 points de vie. On y va. Salut Seiko. Ça fait un bail, non? Comment tu vas? Qu'est-ce que tu racontes? On y va. On avance. On y croit. Ah, gros ennemi, hein. Gros ennemi. Ah. Voilà. On y va. On avance. Voilà, pour une fois que j'arrive à me le faire. 18 points de vie, j'ai récupéré. Excusez-moi, je passe trop un bon moment là, du coup j'ai commencé à chanter, désolé, je ne referai plus. Voilà, donc le truc là où je vais me la prendre de toute façon dans tous les cas. Ok, bon bah écoute, j'ai essayé de me retourner mais... Ah, attention, peut-être... Oh! Oh, magnifique! Magnifique! Oh là là! Merci la vie.
Oh, dommage. Dommage, dommage. Ah, donc là, je devais juste me baisser. Par contre, là, je sais que le prochain... Voilà. Par contre, c'est pas passé. C'est pas passé. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Allez, ça arrive. 12 points de vie, ça arrive. Allez, c'est parti. On prend du bon temps. Oh là là, je m'amuse. On va se mettre là. On sait jamais quand même. Peur de prendre trop de bon temps. Ok, on y va. Oui. Et oui. Ok, ça va. Rien de grave. Ça passe comme une lettre à la poste, on est bien. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est ton corps qui change. C'est pas grave, c'est normal. Allez. Ok. Non mais par contre c'est chiant. Voilà. 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 Ce n'est pas sale. Ce n'est pas sale. Oh oui, bien sûr, je ferai toutes les versions que tu veux. Ouais. Toutes. Toutes. T'as entendu? Toutes. Toutes. Si tu veux, je recommence tout. Le jeu... tous les jeux Amiga, on fait Amiga Mania, c'est tout ce que tu veux. Je... Fais un peu plus de bruit, Célia, s'il te plaît. Toutes. 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 Je prends mon pied. Ah bah là, je prends tous mes pieds. Voilà. Je kiffe. Ouais. Là, je passe un très bon moment. Tu n'imagines même pas comme je passe un bon moment. Enfin, les versions brésiliennes, bien entendu. Oh, bah voilà, c'est... Petit problème de hitbox, sûrement. Voilà. Ok. En fait, c'est un peu One Punch Man, quand on y pense. One Punch Man avant l'heure. Finalement, ce jeu a inventé le concept de One Punch Man. Ok. Il y a quand même un timing. Hein. Si tu respectes pas le timing, tu vas bien te faire mettre. Hein. Allez. Donc là, c'est important de bien jouer. Oh! 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 Oh, oh, oh. Voilà. Ah, ce jeu. Le jeu vidéo. Ah non, non, mais... bien sûr, hein, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on va faire une race. Et si je perds la race... je fais tous les jeux. Ah, Célia revient parce qu'elle a sûrement oublié un truc. Quoi? J'ai une lettre marquée urgent. Waouh, ah ouais. Oh, j'ai reçu une lettre, il y a marqué urgent. C'est beau. Ouais. Ah, j'ai une autre lettre. Oh, j'ai une autre lettre, mais il n'y a pas marqué urgent. Ah, oh, je suis déçu. Oh, ah bah non, par contre, fais pas. J'ai une lettre marquée urgent en rouge. Sûrement la CAF. Ah, oh, j'espère que c'est la CAF. C'est un petit
Ils vont m'envoyer un mot d'amour. J'espère que c'est la CAF. Je regarderai ça pendant la pub, merci. C'est la CAF. J'espère que c'est la CAF. J'espère vraiment que c'est la CAF. Oh là là, ta mère. C'est Mamazon. Ah non, Mamazon. C'est urgent, dépêche-toi. Mets ton cul. Faut que tu finisses le jeu. Sinon, tu ne pourras pas lire la lettre. La lettre s'autodétruira si tu ne termines pas First Try ce putain de jeu. Excusez-moi. Donc on va arriver au moment chiant. Hein, donc là c'est chiant. Donc là c'est chiant. Là c'est chiant. Préparez-vous, c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Ah, c'est chiant. C'est chiant. Est-ce que c'est chiant? Je crois que c'est chiant. Ah là là. Jeu vidéo. C'est chiant en fait. Parce que là je peux pas le toucher. En fait c'est le pattern est dégueulasse parce qu'il change, il évolue. Il y a un pattern évolutif. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Ah. Voilà. Et donc là j'ai la clé. Voilà. Là, c'était la clé imaginaire. Hein. Il nous fallait la clé imaginaire. Et là, ça y est. Là, ça y est. On passe un bon moment. Là, c'est bon. Là, finalement, le jeu est passé dans une autre dimension. Et là, on passe vraiment du bon temps. Voilà, ça y est, là. Là, si tu pensais que le jeu vidéo, c'était pas bien. Bah, je peux te le dire, c'est bien. Allez. Le jeu vidéo, c'est bien. C'est super bien. Allez. Allez, pour pas que je recommence. Je ne recommencerai surtout pas ce jeu-là, con. Le jeu vidéo s'est transformé, hein. Mutation. Hein. Jeu vidéo c'est bien. Jeu vidéo c'est cool. Jeu vidéo c'est bien. Jeu vidéo c'est cool. Jeu vidéo c'est bien. Manger du jeu vidéo. Jeu vidéo c'est bien. Jeu vidéo c'est bien. Le jeu vidéo c'est bien. Le jeu vidéo c'est bien. J'adore le jeu vidéo. Merde. Les cailloux, hein, les cailloux. Les cailloux, les homards. Bien sûr. Là et là. Bah, écoute, on bourre. Le jeu vidéo c'est bien. Le jeu vidéo c'est cool. Faut que ça s'arrête là. Voilà, jeu vidéo c'est bien. Ouais, jeu vidéo c'est bien. Donc le jeu vidéo c'est bien. Voilà. Jeu vidéo c'est bien. Ah non, il fallait pas prendre ça. Voilà, donc là j'ai fait une erreur. J'ai tapé alors qu'il fallait pas la reprendre. Donc là je suis dans la merde. Je vais peut-être recommencer le jeu à cause de cette erreur à la con. Ça me ferait chier de recommencer le jeu là. À cause d'une erreur à la con. Donc, du coup, on va la jouer safe. On va la jouer safe. Voilà. Connard. Voilà. Faut que ça se termine maintenant. Faut que ça se termine, faut que ça s'arrête, monsieur.
Faut que ça s'arrête maintenant. Faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête. Les gens ont envie que ça s'arrête. Les gens, on en a marre. Ah, la mouche qui pète. Oh, la mouche qui pète! Oh, deux fois la mouche qui pète! Ça y est, la mouche qui pète! Oh putain! Je le savais! La mouche qui pète! La mouche qui pète, mon gars! Tu ne peux rien faire contre la mouche qui pète. La mouche qui pète. Oh, la mouche qui pète, mon gars. Voilà, donc là, on arrive. On arrive quand c'est bien. Voilà, et là, c'est bien. Et là, bah, voilà, finalement. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Ah, oula, raté. Raté, il y a eu un... Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà, voilà. Le jeu vidéo. 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 Le jeu vidéo, c'est bien. Voilà! Bon, et bah c'est fini! C'était bien. C'était bien. C'était bien, c'était vachement bien. C'était bien. C'était vachement bien. C'était vachement bien. Et du coup, on va. Donc là, en japonais, il dit désolé, vraiment, vraiment désolé d'avoir fait un jeu si mauvais. Désolé d'avoir fait un jeu avec une durée de vie si mauvaise. Désolé, désolé, on a essayé de faire mieux les choses. Désolé, désolé, voilà. Ils sont excusés. Mais on va ouvrir la lettre. On va ouvrir la lettre urgente. C'est urgent, c'est urgent. Ouvrons la lettre. C'est urgent. J'ouvre la lettre. J'ouvre la lettre. J'ai ouvert la lettre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Voilà. D'accord. Ben, ce n'est pas la CAF. Est-ce un colis piégé ? Est-ce de l'anthrax ? Je vais mourir. Non ? Oui ? Mais alors ? Qu'est-ce que j'en fais ? Bon, ben voilà, ce n'est pas la CAF. Je suis déçu. Oh là là, il n'y avait même pas un cadeau, même pas un billet. Ah, oh, il a ouvert la lettre. Bon, et bah c'est fini, hein, on va s'appeler Rob, hein, on va s'appeler Rob, c'est normal, voilà, et ça repop, voilà, donc, bah c'est fini, 218, voilà, 218, et on va passer à Super Eat Lead, on va passer à Super Eat Lead et on va passer un beau moment, enfin j'espère. Voilà. Donc je sais d'avance que c'est c'est 837, non? Je crois que c'est lui, hein. Je crois, je vais aller vérifier, mais je crois que alors, Super Eat Lead. Super Eat Lead. Vous inquiétez pas, ça arrive. Ça arrive. On va faire un... Voilà. On va passer un moment. On va passer un moment. Ah oui, il faut lui donner une note. Faut lui donner une note. Alors, la musique est pas dégueulasse. Donc, 0,5. La musique est pas dégueulasse. Donc, un 0,5. Et du coup, la musique est pas dégueulasse. 0,5. Et la musique est pas dégueulasse. Donc, 0,5. Et du coup, bah, la musique est pas dégueulasse. 0,5. Ah, bon. Bah bon, 0,5, la musique est pas dégueulasse. 0,5. Donc attendez. Attendez. La durée de vie est pas dégueulasse. 0,5. Bon. Les gens, sûrement des personnes, d'autres personnes que moi, peuvent apprécier la DA. Donc 0,5 plus 0,5 égale 1. 1. 1. 1. Maintenant.
1, puis bon. C'est un vieux jeu. Allez, c'est un très vieux jeu. 0,5. 1,5. Ouais, après, je sais plus quoi faire. Hein. Après, je sais plus. Je vais pas dire. Voilà. 1,5. Voilà. Voilà. 1,5, ça sera très bien. Donc là, n'oubliez pas de vous plaindre et de dire que c'est une honte de donner des notes comme ça dans Console Mania. N'oubliez pas de vous plaindre. Alors. Voilà. Alors, Super Eagle. Super Eagle. T'as une phase à Jackpack et ça, c'était un 0,5. Non, ça enlève des points. Fais gaffe. Ça enlève des points quand même. Parce que ça rajoute 0,5 et puis ça enlève 0,5. Parce que du coup, ça, tu perds en histoire. L'histoire, du coup, devient confus. Et on ne comprend plus rien. Bon. Là, je suis déçu. Hein. J'ai pas reçu de l'aide du coup de la CAF. Apparemment, ce contrôle de la CAF n'a pas laissé de traces. N'a pas laissé de traces indélébiles dans leur cœur. Bon. C'est une honte de donner de telles notes, merci. Donc, Super Eagle, on va lire le manuel. On va lire. Je vais vous lire quelques meilleurs passages, les meilleures histoires de Super Eagle. Alors, je vais préparer quelque chose parce qu'en fait, j'ai pas le choix. Est-ce que je l'ai encore avec moi? Je suis désolé, mais je vais être obligé de repréparer ce gif parce que malheureusement. Ah, donc là c'est parfaitement centré, mais c'est trop gros. Ça c'est bizarre. Ah non, là c'est pas. Non, ça aurait pu être parfaitement centré, mais c'est gros. Non. Bon bah écoute, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. On l'utilisera dans pas longtemps. Dans pas longtemps, je vais avoir besoin de ça, de cette croûte. Alors Super Eagle. Super Eagle. Super Eagle. Super Eagle. Super Eagle. Attends. Je vais vous lire quelques passages, hein. Quelques passages, les meilleurs passages de Super Eagle. Donc je remercie un Beyond This Life, hein, de m'avoir scanné le manuel. Sans lui, on n'aurait pas passé un si bon moment. Là, tout de suite, ça va être un bon moment. Un jour, je gagnerai. Quoi ? J'ai pas tiré les rois. On va tirer les rois. On va tirer les rois et les reines. C'est parti. Allez, c'est bon. Donc. Moubot, Raffle Draw. Et c'est canard. Attendez. Il a déjà gagné. Et enculé, c'est pas toi qui m'a donné les Minx 2 ? Il m'a donné les Minx 2 ? Bah, va falloir donner un jeu de sport. Et ouais. Ouais. Il m'a donné les Minx 2. Il m'a donné les Minx 2. Et il a déjà gagné. Donc n'oubliez pas de vous plaindre. Donc c'est le jeu de sport. C'est le jeu de sport. Donc ça fera du bien. Ça fera du bien après Super Guide. Les Minx 3. Allez. Hop. Ah putain, les gens qui regagnent. Ça c'est beau ça. Liste des jeux, bien sûr, je te donne ça. Alors. Oh c'est beau. Oh c'est beau. Oh c'est beau. Oh c'est beau. Bon je te le donne quand même, hein, mais il y a des gens qui l'ont. La petite commande qui marche bien, mais je te le redonne, ça fait plaisir. Petite commande qui passe. Par contre du coup je vais ouvrir mon autre lettre du temps. Alors, mon autre lettre. Attention. C'est une autre lettre. Voilà. Je fais bien du bruit. Alors, j'espère que c'est la CAF. Ah non.
Ah, c'est la... ah, c'est 100% fibre. Ah bah c'est orange. Oh là là, c'est orange. Waouh, orange m'a donné un... Oh, oh mon dieu, regardez. Oh, oh là là, il m'a envoyé un cadeau. Alors attends, qu'est-ce qu'il m'a dit quoi? Il m'a... Est-ce qu'il m'a donné le jeu? Oh, orange, il m'a donné un cadeau. Attendez, c'est trop bien. Ah, j'ouvre une deuxième lettre. Non, mais vous allez voir, c'est génial. La 100% fibre. Attendez. Oh, c'est fou. Oh, ils m'ont donné un antivirus orange. Oh là là, ils m'ont donné... Oh, j'ai un antivirus orange. Et regardez. Et la coupure. Regardez. Attendez. Oh, regardez. Un cadeau. Oh, 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 oh mon dieu, un CD-ROM. Oh, un CD-ROM d'installation. Mais comment je l'installe? J'ai pas de... J'ai pas de lecteur CD. Un CD-ROM. Je peux pas l'installer. Un CD-ROM, on n'en fait plus. Oh, putain, on n'en fait plus ça. C'est beau. Merci Orange. Oh putain, c'est mieux que Amazon. C'était qu'est-ce que c'est? Sûrement. Oh, CD interactif. Un CD-ROM antivirus qui installe des hardware, c'est vachement, vachement bien. Bon, mon Canartichaud, t'es où là? Canartichaud, c'est le temps, c'est le moment. Pendant que Marron se parle toujours autant, Marron se parle elle-même. Allez, Canartichaud, c'est le moment de donner ton jeu là. Il est 52, va falloir faire une pause. Elle est où la disquette? Ah, putain. Et j'en suis sûr que ça, Ken, il l'a pas reçu. Lui, il n'a pas reçu de CD-ROM antivirus. Merci, ESPN Speedworld. Merci beaucoup. Et GG, hein, du coup, pour avoir gagné une deuxième fois. N'oublie pas de le spécifier à chaque fois que un jour, si un jour quelqu'un se plaint, n'oublie pas de répéter la chose suivante. Oui, mais moi, j'ai gagné deux fois. Le raffle. Et là les gens vont passer un bon moment quand tu vas leur dire ça. Alors Speedworld. Donc quel est ce jeu? Ah, un jeu de voiture, un jeu de NASCAR, un jeu où tu fais que tourner en rond. Ah, oh, ça a l'air d'être un jeu de NASCAR. Et ça, c'est parce que j'en suis sûr que j'ai dit que j'adorais la NASCAR et que c'était vachement bien en fait. Je pense que c'est parce que je t'ai dit ça. Hein. Je vois pas autre chose. Alors, voilà. Je pense que faut l'interner. En fait, quelque chose occupé. Que quelqu'un s'occupe d'elle, je ne sais plus quoi faire. Hein. Je ne sais vraiment plus quoi faire, je suis vraiment désolé. Mais faites quelque chose. Pendant le chat qui fait de la merde, apparemment, donc je vais aller le tuer. Pour la 7ème fois, il restera de vie. Donc, bah petite pub, allez, petite pub à tout de suite, petite pub. Re dans Console Mania, sur Super Lead, on va passer un moment, Super Lead, hein. N'oubliez pas de dire Lead, parce que je sais pas. Bref, donc... On va faire un peu de lecture. Pas de gloire à Marron. Arrêtez de faire gloire à Marron. Elle va continuer après. N'oubliez pas que le but final, hein, c'est de la virer pour toujours. Bref. Pourquoi il y a marqué? Ah d'accord, je suis le recover. Ok. On s'en fout parce qu'il se passe des choses derrière. Parfait. Donc. On va passer un très bon moment et on va faire de la lecture. Oui, je vais faire de la lecture, je vous promets. Il faut que je vous partage l'histoire de ce jeu que on a déjà partagé hier avec les gens qui étaient là sur la chaîne perso. Mais je pense quand même que un paquet de gens n'étaient pas là. Donc je vais vous faire une petite lecture. Oui, Mintos, ne t'inquiète pas, ça sera fait. Oh que oui.
Oh que oui. Et des bisous au passage. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a très longtemps, il s'est passé quelque chose de pas bien. Voilà, les méchants, les machins, les si, il y a eu les méchants, il y a eu les méchants. Voilà. Il y a eu un héros qui est arrivé, qui a tout pété. Qui a tout pété. Je vous fais un petit résumé parce que c'est pas ça ce qui m'intéresse. Le petit résumé de il y a eu des méchants, un héros est venu sauver le monde. En gros. Mais ce qu'il se passe, c'est que après des siècles et des siècles, voire des dizaines d'années, c'est reparti en couille. Il y a encore des méchants. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Et en gros, c'est marqué hein, noir sur blanc que après que les méchants reviennent sur Terre, donc les catastrophes commencent à se produire, machin, des failles, on s'en fout. Il y a des monstres arrivèrent, machin, pas scénario. Et du coup, et là, attention, la chose la plus intéressante. Du scénario, le conseil de Fairyland, qui est apparemment une ville, ou la plus grande ville de la Terre, j'en sais rien, qui craignait que le mal revienne, ont du coup demandé à un... demandé à un mec random de sauver Fairyland. Donc c'est-à-dire qu'ils ont choisi un mec au pif pour aller sauver... la terre, slash le monde, slash tout ce que tu veux. Donc voilà. Et que les mecs, et que tout le monde s'est mis autour de lui pour lui souhaiter bonne chance. Hein. Mais ils ne pouvaient, donc ils, hein, les habitants, s'empêcher de se demander s'ils avaient choisi la bonne personne. 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 Donc voilà. Déjà, commençons à. Enfin, il faut bien que vous soyez. Au courant que les habitants ont pris quelqu'un au pif. Et ils sont pas sûrs d'avoir pris le bon. Et ça, est-ce que c'est un random du Stunfest? Je ne sais pas, mais rien que ça, c'est chiant. Pareil, il y a un problème. On est arrivé sur cette page, alors qui est la sixième page du manuel. Hein, et il y a marqué une chose que je ne comprends pas. Je l'ai retourné dans tous les sens et je ne comprends pas. Il y a marqué « Remarque de points ». Il est important de se rappeler que le joueur et le personnage sont deux personnes différentes. Le joueur et le personnage sont deux personnes différentes. Pourquoi ? J'ai pas compris. Voilà, donc bref, donc si quelqu'un ici a la réponse de la sixième page, n'hésitez pas à m'envoyer vos meilleurs dessins. Voilà. Oh, doucement. On va revenir en arrière, hein, doucement. Voilà. Gros mind game, hein, très gros mind game. Donc ça, on s'en fout. C'est parce que t'es pas un random. Oui, mais... je comprends pas. donc là, pour ceux qui connaissent pas, dans ce RPG, chaque objet que vous tenez et que vous portez, surtout, a un poids. Donc tu peux pas porter tout et n'importe quoi. Aussi, autre chose. Donc là, il y a de 1 à 24. On ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est marqué de 1 à 24? En fait, tout simplement, c'est parce que il y a un système de jour et de nuit. Donc déjà c'est fou, tu vas me dire oh là là mon dieu, pour un jeu de je ne sais quand il est sorti, oh mon dieu c'est fou, il y a un cycle jour-nuit. Et en plus d'avoir un cycle jour-nuit, il faut que votre personnage mange à deux reprises dans la journée, assez marqué, hein, à 13h et à 19h. Si tu manges pas tu meurs, bien sûr, la base. Et attention, hein, si tu manges pas, tu meurs. Surtout, n'oubliez pas que si à 13h01, tu n'as pas ingurgité la moindre nourriture, tu commences à perdre ta vie. Hein, faut être fou. Hein. Surtout, il est très strict sur les horaires. Hein. Et aussi, il faut que tu dormes. Si à 23h, tu dors pas, c'est pas bien. Si à 23h, tu dors pas, tu perds de l'attaque power et il faut que tu manges toutes les 6h. Voilà, donc déjà, ça commence bien. Le jeu va être vachement bien. Hein. C'est Tamagotchi le jeu vidéo, c'est ça. Donc là il m'explique comment sauvegarder. Donc ça ne m'intéresse pas. Pour sauvegarder il faut aller se coucher dans une auberge, voilà. Le seul moyen de sauvegarder, je vous spoil.
Donc effacer sa partie, on s'en fout. Donc ça c'est les différents types de personnages qu'on peut avoir. Donc on peut avoir un guerrier, un voleur, un prêtre, un moine. Ça va avoir une incidence sur votre force et tout le bordel, mais ça on s'en branle. Sinon il faut se réveiller, sinon tu meurs. Exactement. Des statistiques vitales, on s'en branle. L'agité, on s'en branle. Ça, on s'en branle. Mais moi, je veux arriver à un moment pour très très important. Enfin, il y a un truc vraiment, une phrase qui m'a marqué. Je la cherche. Donc, use tool, use magic. Comment vaincre les ennemis? Ah oui, ah voilà, ça voilà. Ça m'a marqué. Écoutez bien. Dans le jeu, il y a des bons et des mauvais monstres. Ça veut dire que tout ce que tu vois sur l'écran, c'est pas obligatoirement des gens à tuer. T'as des monstres qui sont gentils et des monstres qui sont méchants. Et pour voir si un monstre est gentil ou méchant, il faut aller vers lui. S'il te tape, c'est qu'il est méchant. Ouais, par contre, si tu tues les gentils, eh ben ta moralité va baisser. Et ça, c'est pas top. Ah, donc ça faut aussi prendre en compte qu'il y a des gentils et des méchants. Alors déjà, l'horaire c'est chiant, le manger c'est chiant, dormir c'est chiant, maintenant il y a des gentils et des méchants, chez les monstres, hein, voilà. Et, attention, donc arme directe, indirecte, on s'en fout, ça on verra après, c'est pas ça ce qui m'intéresse. Donc ça c'est des conseils pour réussir. D'ailleurs, dans les conseils, ils disent ce qu'il faut faire au début du jeu, hein. Il dit d'aller chercher un changeur d'argent. Voilà, alors oui, voilà. Ce qui est important dans le jeu, c'est que même l'argent a un poids. Même l'argent a un poids. Et il y a une phrase, il y a marqué au début, lorsque la force de votre personnage est faible, même transporter de l'or semble pénible. Donc ça veut dire que si tu gagnes trop d'or, t'es baisé. Donc voilà. Et apparemment, il y a un changeur d'argent qui peut être trouvé au nord du lac. Voilà. Donc le jeu te dit qu'il faut aller chercher un changeur d'argent au nord du lac. Donc il y a un lac et il faut aller au nord de ce lac-là. Et qu'il y a de l'argent caché dans un bâtiment à l'ouest. Donc en gros, à l'ouest du jeu, à l'ouest de la map, je pense, il y a de la thune. Et au nord de la rivière, il y a un changeur d'argent. Voilà. Et ce jeu est vachement bien. Hein. Critique directe du capitalisme, ce jeu en fait c'est bien. Et après, bon bah il y a des dessins, on se fait chier, c'est fini. Il y a 35 pages de manuel, et ça on s'en fout. Bon, je vais m'en servir quand même parce que pour les objets, ça va peut-être être intéressant. Allez, je mets le jeu, parce que qu'est-ce qui se passe? Ah, par contre, avant de mettre le jeu, on va supprimer la sauvegarde que j'avais faite hier. Il faut savoir... numéro privé, malheureusement, il est 13h09, je ne pourrai pas répondre. Désolé. Petit numéro privé. Donc attendez, je vais aller supprimer ma sauvegarde. Alors super id lead. Là, super id lead, je supprime super id lead. Allez. Donc là, si je mets create, non, si je mets start, normalement il n'y a pas de personnage. Ah si, le personnage existe, ce n'est pas normal. Normalement le personnage ne devrait pas exister, sachant que j'aimerais faire un autre Hector. Ah merde. Bon, on ne peut pas faire un autre Hector, donc on va appeler Hector 2. Voilà. Hector est déjà mort, on va l'appeler Hector 2. Bonne journée, Monster Cap. Des bisous. Super. Donc, on va create Hector 2. Oui. Hector 1 est mort. Appelons-le Hector 2. Allez. Alors, Hector 2. Voilà. C'est Hector 2. En plus, ça rentre parfaitement. Non, je ne ferai pas un erase. Je ne ferai pas ça. Je ne tuerai pas Hector 1. Voilà. On ne sait jamais, ça peut me servir. Donc, je fais un warrior parce que c'était marqué dans le manuel, hein, que c'était balanced, et c'est important d'être balanced. Hop, et je mets start sur Hector 2. Voilà.
Donc ça, c'est le jeu. Le jeu est moche, il est pas beau, il est moche, il est pas beau. Mais, avant qu'on commence le jeu, vous allez me dire, mais dis donc, pourquoi tu n'as pas enlevé le Joker public? Car, hier, on a commencé quand même le jeu pour essayer de voir si j'étais dans la merde ou pas. Et le tiering, c'est pas normal, hein. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça c'est pas normal, c'est normal. Maintenant c'est devenu normal, en fait c'est juste que j'avais pas enlevé le truc du manuel. Désolé. Donc, j'ai utilisé mon Joker public pour baiser le jeu. Parce que oui, il y a moyen de baiser le jeu. En ayant de l'expérience presque illimitée. Ouais, de l'expérience presque illimitée. Donc finalement, pendant 2 heures, on va faire ça. Voilà. Si des gens ici pensaient qu'on allait passer un bon moment, non. on va pas passer un bon moment. Voilà. Donc là, les gens se posent la question, mais qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, je vais baiser le jeu. Voilà. Voilà. Ah, tu penses qu'on va passer un bon moment? Bah non. Voilà. Il est plus beau qu'Undertale, ouais. Non, ne parlez pas d'Undertale, en fait. Donc, en fait, la façon de baiser le jeu, c'est que tu lâches ton argent, et en le récupérant, tu récupères 30 points d'expérience. Voilà. Voilà, c'est... Et apparemment, c'est une feature, parce que c'est... Oui, c'est pas un cheat, c'est un glitch. Zanafer, je crois que c'est lui, hein, qui me disait comme quoi c'est le développeur qui a mis ce glitch, enfin qui a laissé ça, quoi. Il a laissé un moyen d'utiliser ce glitch-là. Donc dans un sens, c'est pas de la triche. Et on va faire ça pendant 2 jours pour voir comment on s'en sort. Et au bout de 2 jours... Eh ben, on verra où on en est. Mais je vous propose quand même qu'on discute d'autres choses. Parce qu'on va se faire chier pendant 2 jours. Voilà. Donc si vous avez un sujet de discussion, quelque chose que vous voulez... Enfin vraiment, si vous avez quelque chose à dire, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Parce qu'on va se faire chier. Voilà. Et ça, c'est beau. Pendant 6 heures. Voilà. Ah non, c'est Zanafer qui m'a donné le glitch. Et oui, alors Zanafer a peut-être trouvé ce glitch sur le GameFAQs. Oui, bah il a le droit. Ce n'est pas des bisous Gekuri. Il a droit. C'est il a le droit d'aller sur le net pour trouver des glitches. On pourrait bien trouver du coup le thème de la prochaine run de Mario Maker. Ça c'est pas interdit. C'est le nouveau jeu d'Ubi, sûrement. Ils se sont reposés après Assassin's Creed et puis et voilà. Hop. Tu baisses de plus en plus de jeux, ça va mal finir. Bah moi et les MST, maintenant on a une relation assez fusionnelle. Si tu vois ce que je veux dire. Par contre la musique du jeu est pas dégueulasse, hein. Ta mauvaise foi me fera toujours halluciner. C'est-à-dire, par rapport à quoi? Dites-moi. Je vous écoute. Je suis là. Et si tu drops un plus de gold, tu gagnes... Non, je... Apparemment, non. Donc... bah non, parce que je crois... Enfin, ça doit être toujours pareil. Enfin, ça m'accélère pas les menus de mettre le jeu vitesse max. Donc ça sert à rien.
On a besoin de... Voilà, parfait. On a... C'est vrai qu'on a... On a un expert. Pas moi qui l'ai dit. Hein. Là, pour une fois, c'est pas moi. Choisir le jeu que je veux, c'est obligé de donner un jeu de sport. Oui, si tu as gagné une fois au raffle, tu donnes un jeu de sport. Si tu as gagné deux fois au raffle, la nouvelle règle se veut que je redraw et que tu ne peux pas gagner une troisième fois. Des gens ont gagné trois fois, c'est arrivé, mais maintenant on a changé cette règle. C'est beaucoup trop... c'est beaucoup trop... non, genre non, c'est pas possible. Une manche speedrun, une manche puzzle, une manche shmup. Ah, c'est pas con, je dis pas non. Ah ben la mauvaise foi c'est beau. Enfin moi j'aime bien. Parfois je l'utilise, parfois bien sûr, pas toujours. C'est très rare hein, que j'utilise la mauvaise foi, vous le savez. Allez, ne perdons pas le coup de main, c'est important. Par contre, je ne sais pas qui crée les marrons en boucle là, mais là, au bout d'un moment, il va falloir arrêter quand même de créer des marrons. Stop. Pouet, pouet, les pouet. Salut. Apparemment, la ROF, ça s'est pas très bien passé. Enfin, ça s'est pas très bien passé. Semblerait que la ROF, ça a été moyen. Oui, Shadow of the Beast, c'est fini. On a utilisé la version Jap, qui est plus facile. Voilà. Comme ce qui avait été fait pour Street of Rage 3. Ils avaient joué sur la version Jap, et la version Jap était beaucoup plus facile, apparemment. Parce que, ouais, techniquement, elle était beaucoup plus facile, parce que Karaté a fini un jeu. Donc Karaté, techniquement, a fini Street of Rage 3. Voilà. Ce jeu est l'ancêtre hein, de Don't Starve, c'est vrai. D'ailleurs, Don't Starve, un jeu très difficile, donc oui. Hein. Sachant que ce jeu semble difficile. Bon, bah maintenant, il va être pas trop difficile, si j'ai bien compris. Par contre, la musique est vraiment cool. Hein. Elle est vraiment, vraiment stylée. Je la trouve stylée, la musique du jeu. Donc déjà, rien que pour la musique stylée, le jeu pourrait peut-être plus avoir une note plus élevée que Shadow of the Beast. C'est fou quand même. Ah non, non, non. Ah non, Raiden, pas du tout. Pas du tout. Tu vois, par exemple, Xanafer. Je vais t'expliquer quelque chose qui va... je vais te montrer plutôt que je n'ai rien contre les gens qui essayent de me baiser. Xanafer, ici présent... Enfin, j'étais sorti de Lemmings 2, donc Lemmings 2, hein, jeu parfait, hein, voilà. Juste après, je me suis tapé Man Overboard. Ça, c'est un autre jeu de réflexion. C'est-à-dire que... Tu vois, genre, plus jamais... J'ai dit plus jamais après Lemmings 2, et je suis quand même tombé sur un jeu de réflexion. Et tu vois, Xanafer qui est encore présent, je ne l'ai jamais banni. Hein, il est toujours là... Ça doit être une personne très bien. Pas être méchant avec lui, hein, bien sûr. On l'aime beaucoup. Ce jeu, il est bien, il est juste trop Master System. J'avoue. Moi, je me suis pris la max. Hein, je pense dans Console Mania, on peut pas dire que je me suis pas pris la max. Hein, plusieurs fois. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Donc là, j'ai combien? 1890 d'expérience. Voilà. Mais c'est pas assez. Tu vois, dans un sens, c'est jamais assez. Moi, méchant avec marron, pff, tu dis ça parce que t'es énervé. Il m'a donné un glitch pour me faire pardonner. C'est vrai que il m'a dit, écoute, il y a un moyen. D'ailleurs, hein, c'est ZU 137 qui m'a dit, je crois, hein, pour la version Jap de Shadow of the Beast. Ça n'est peut-être pas le premier, mais en tout cas, c'est lui qui me l'a répété à un moment où j'écoutais. Allez, shmup, ah oui, les shmup.
Après, il semblerait quand même que même si je n'aime pas les shmups, je suis toujours plus, plus fort que petit avion au shmup. Et ça, quand même, c'est fou. Hein. Tu devrais avoir honte. 10h30 dans le jeu. Hein. Bientôt 13h. Il va falloir bientôt penser à manger. Ah, pub. Ah, pub. Quelqu'un a lancé une pub gratuite. Il n'a pas dû faire exprès. Bon, ce n'est pas très grave, pas de panique. Si vous entendez ce que je dis, vous êtes des adblockers et des gros enculés. Voilà. Tout va revenir à la normale. De toute façon, ce que je fais n'est pas intéressant. Du coup, je vais me concentrer. Voilà. Allez, faut aller plus vite. Bah si t'es si fort, si t'es aussi fort qu'Ashton, je vous baisse tous. Je suis très mauvais. Voilà. Je vous prends tous. C'est beau ça. Ah là là, mon dieu. On s'amuse. Voilà. Combien de temps un homme peut passer sur un menu comme ça à attendre de dupliquer ce glitch, enfin de refaire ce glitch à l'infini? Combien de temps? Je me demande combien de temps je peux passer à faire ça. T'as booké Jet Set Radio? Genre t'as fini Jet Set Radio? Je me demande. J'avoue que... Ouais. Je fais du travail à la chaîne, hein, c'est un travail. Fais une macro, ce serait tellement bien. Mais là, je pense que ça serait peut-être considéré comme du cheat. Il faut encore que le joueur joue. On n'est pas sur Microsoft Jackpot. N'oubliez pas, Microsoft Jackpot, ne jouez jamais à ce jeu. D'ailleurs, ce n'est pas un jeu. Hein. C'est pas un jeu. C'est un simulateur de baise, je pense. Mais par contre, jouez à Microsoft Dixo. Appelez le puzzle. Jouez puzzle. Faites du puzzle. Voilà. La meilleure chose en fait que a amené Windows 10, hein, c'est le puzzle. Faites du puzzle. En fait, alors le glitch, c'est que en se mettant à une certaine position et en jetant de l'argent par terre et en le ramassant, tu gagnes de l'expérience. Donc en fait, je jette de l'argent et je le ramasse en boucle. Et en faisant ça, bah, je gagne de l'XP. Donc bah voilà. 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 Et un petit puzzle de loutre, c'était bien. J'espère que vous avez apprécié d'ailleurs. Top streamer sur Microsoft Jigsaw. Hein. Et d'ailleurs, j'ai été aussi top streamer sur Microsoft Jackpot. Après, bon, c'était de la merde. Alors, on va pas faire ça jusqu'à 15h, non. Non, on va pas faire ça jusqu'à 15h, je te le promets. Mais on va faire ça un petit moment. Parce que je veux baiser le jeu. Voilà, c'est mon but dans la vie, c'est de baiser le jeu. Mais on va se balader. Ne t'inquiète pas, je te promets qu'on va aller se balader. Après, il y a des jeux qui sont moins intéressants que d'autres. Mais voilà. Après, c'est un RPG. Hein, 14h55, c'est vrai. Pas jusqu'à 15h. Et bien sûr, à 14h55, je rendrai en retard pour Pseudoless. D'ailleurs, est-ce que Pseudo a terminé, Priny? C'est important. Et tu vas mourir de faim. Non, il est 11h29, ça va. On va aller chercher à manger. Ne vous inquiétez pas. Non, je dois pas me reposer pour aller chercher pour récupérer un level. Le jeu est tellement bien fait qu'il faut aller à l'église pour aller récupérer les levels. Voilà. Pour leveler dans le jeu, faut retourner dans le village. Voilà. Salut, Jude. Tu es sûr que ça marche? Oui.
Ça marche car je suis à 3930 d'expérience. Voilà. Et ça, c'est bien. Petit KFC. Un petit KFC. J'aime pas KFC, moi. C'est chaud, hein. À se mettre sa forme, hein. Je kiffe ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas du tout aliénant, ce n'est pas du tout chiant. Le jeu aura 5 sur 5. Je vous le promets. Je vous le promets qu'il aura 5 sur 5. Ouais, voilà, pour monter de niveau, venez prier chaque dimanche. Mais en fait, j'arrête le temps en faisant ça. Donc au final, c'est pour ça que le temps passe doucement. Parce que j'arrête le temps. J'arrête le temps. Vous pensez que quelqu'un, des gens peuvent avoir une crise d'épilepsie à regarder ça pendant longtemps? Je me demande si je peux avoir une crise d'épilepsie à force de faire ça. Non, j'aime pas le KFC. Non. Ouais, non, mais j'aime pas le KFC, je n'aime pas le McDo, j'aime pas... Je suis chiant, n'oubliez pas que je suis chiant, on en a déjà parlé. Mais la musique est trop bien. Petite crise d'épilepsie, ça doit être sympa quand même. 30 points d'XP, bah ça. Sachant que je crois qu'il en faut 500 pour arriver à avoir un level, je crois. Hein. Et après c'est exponentiel, ou 50, je crois que c'est 50 en fait un level. Enfin un level au tout début. Un bon kebab, bah oui. Non mais même tout ça, je fais ma bouffe à la limite, voilà. C'est même Subway, tu vois, non, c'est pas grave. J'ai vomi deux fois, mais pas des crises d'épilepsie, ça va. Oui, les pizzas bien sûr, quand même. Non, là par contre, là ça serait. Par contre, il semblerait que quelqu'un ait baïonné marron. Je ne la vois plus marquer de message. Qu'est-ce que vous avez fait? Des bisous snap. 11h59, attention, dans une heure, dans le jeu, va falloir aller manger. Sinon, on perd de la vie. D'ailleurs, ce qu'on va faire, on va aller checker les points d'expérience d'abord. On va voir combien j'ai gagné de niveau. Donc, je vais passer du niveau 1 au niveau... attends, encore. Hein, quoi? Ah, il faut re-rentrer à chaque fois? D'accord. Oh, c'est chiant quand même. Ah, c'est chiant quand même. Hein. Voilà. Donc là, je suis au niveau 7. niveau 7. Ouais, niveau 7. Du coup, on va aller prendre une petite ration. J'arrête le temps en jetant mon argent, c'est beau. madame, faites chier, madame, c'est bon. Allez. Donc, on va acheter de la ration of food, bien sûr. Donc j'ai 2000 d'argent, ça coûte 250$. Hein. $250, une ration of food. J'en prends deux, bien sûr, hein, pour tenir jusqu'au soir, et on va continuer jusqu'au soir. Ah là là, qu'est-ce que c'est bien le jeu vidéo quand même. Donc là, je suis quand même à 75% de ma barre de vie. Hein. Chiant TV. Et le pire, c'est que ça n'a jamais été aussi chiant. Genre, même dans Phantasy Star 2, j'ai l'impression qu'il y avait un intérêt à faire ce que je faisais. Mais là... La musique est trop stylée. La musique est trop stylée. La musique est trop stylée. Donc il est 57, oulala, attention, bientôt un petit 1000. Donc ouais, quand j'ai ma ration de food avec moi, je la mange automatiquement. Donc pas besoin de m'arrêter de faire ça, tout va bien. Ah, voilà, j'ai mangé mon personnage avec ce petit bruit. M'a signifié que je viens de manger. D'ailleurs, bon, on va parler d'autre chose, hein, parce qu'on va se faire chier sinon. Tu feras quoi, Ken, à 17h?
Quel type de jeu? Farm de l'infini. Hein. Moi, je suis capable de rester pendant des heures, là. C'est bon, la pause déjeuner, il l'a prise. Il l'a prise. Ça a duré 2 secondes. Après, je vous fais un speedrun du jeu. Je baise le jeu, après. Et attention, avec plaisir. Par contre... Enfin, baiser le jeu, c'est un grand mot. Parce qu'il y a un truc qui va être un peu compliqué. C'est qu'on a essayé de marcher dans le jeu hier, pas tout à l'heure. Et on s'est rendu compte d'une chose horrible. C'est que... si tu te fais empoisonner, c'est la mort. Te faire empoisonner dans le jeu, apparemment, c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Donc c'est pour ça que je reste au moins un jour dans le village. Comme ça, ça va sauvegarder ma partie. Attends, ok. Bon. D'accord. Bon, on verra 17h alors. Hop. C'est vrai, faut que tu parles de Virtua Fighter. Tu n'as jamais parlé de Virtua Fighter, je crois. Ou peut-être de Virtua Fighter Kids. Il a parlé de Virtua Fighter Kids. Mais de Virtua Fighter 1, non. Et ça... Non, qu'est-ce que je fais? Allô? Virtua Fighter, le meilleur jeu de combat. Hein. Gros jeu de combat. Non, c'est pas... Non, parce que... Oui, en plus, c'est vrai. C'est même pas moi qui décide quand je sauvegarde dans le jeu. T'es obligé d'aller te coucher pour sauvegarder. Putain, c'est vrai. Et tu dois te coucher, bien sûr, j'imagine, à des heures précises. Parce que tu vas pas te coucher à 23h. Enfin, je pense que tu peux pas arriver à 13h et dire « Bon, allez, je vais me coucher, moi. » Je pense pas que ça marche comme ça. Je pense pas que ça marche comme ça. Et qu'est-ce que je fais? J'utilise un glitch dans le jeu pour gagner l'expérience gratos. Afin d'être overpowered. Pour faire le jeu. Mais vous inquiétez pas, au bout d'un moment, le jeu va être plus intéressant que ça. Par contre, il y a un truc que j'aurais vraiment aimé. C'est qu'on puisse faire le glitch, faire ce glitch, et après faire le dernier boss, et finir le jeu. Ça serait vraiment beau, quand même. Mais on peut pas. Je pense pas, quand même. Ça pas un coup, je peux sauvegarder. Hein. C'est mon seul moyen. Il pourrait même jouer à Tekken 2 aussi. Je mens, il a pas fait Tekken 2. Hein. Il a pas parlé des Tekken en fait. Il a pas parlé de Virtua Fighter. Pas parlé des Tekken. J'avoue. C'est vrai que tu montres aux gens qu'on peut jouer à Galaga dans Tekken. C'est important. Et qu'on peut jouer au bowling aussi. Tu devrais faire un coffre à versus avec tous les mini-jeux qu'il y a dans les jeux de combat. J'en suis sûr qu'il y en a plein. Un sort antidote normalement. Même le guerrier là? Ok. Pardon, Tekken 2. Perso, je jouais Michel. Je crois, hein, ça s'appelle Michel. À chaque fois, je me dis que elle doit s'appeler Michel, j'en suis sûr. Aussi, les jeux PC. C'est vrai. Ouais, il y a plein de sujets, bien sûr. Tu l'as dit toi-même, hein, qu'il y avait. Enfin, que c'était inépuisable. Fallait jouer à Galaga pour débloquer Evil Casvia. Ah ouais, toi, je savais pas ça. Ouais, jeu dans le jeu. Volet aussi, ouais. Je suis pas fatigué encore. Il est que 13h56 dans le jeu. Il est que 13h56 dans le jeu. Vous et votre personnage sont différents. J'avoue. Par contre, j'ai pas trouvé. Hein. J'ai pas trouvé. Bonjour, Man Nero. Que veux-tu? Dis-moi. Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Quelle est ta parole profonde? Je ne comprends pas.
Es-tu le deuxième pseudo de Noirdez? Dis-moi, tu as l'air. Tui. Je sais pas si y a Made in France aujourd'hui. Je sais que Styx est en vacances. Donc c'est mon cher notre cher Titavion qui va faire Series Through Time. Mais voilà. En vrai, DOA est un super jeu. J'aime essayer. Un super jeu car des... Oui, non, mais autre... Je pense qu'il parlait pas que ça. Hop là. Tu peux prendre des sorts contre l'expérience. Le vendeur... Ah, putain, c'est bien ça. C'est dans le manuel. Ok. Ah, les boobs, c'est pour vendre plus facilement. Je crois que ça, ils l'ont compris. Après, dans tous les jeux de combat, il y a des boobs, hein. Donc, bref. La base. On se fait chier. Je me fais quand même chier, là. Je commence un peu à en avoir marre. On va regarder combien j'ai de... 3000. C'est pas assez. C'est pas assez. Pas de boobs. Des pastèques, quoi? Ah oui, c'est vrai. Il faut quoi? Je fais un glitch qui me permet d'avoir de l'expérience gratos. Voilà. Parce que si vous voulez savoir, autour du village, les ennemis donnent entre 8 et 12 points d'expérience, je crois. Et de faire ça m'en donne 30. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Je suis quand même allé voir hein, si ça servait à quelque chose. Il faut toujours essayer. Voyons. Ah, j'aimerais tellement faire une macro. Je pense que si je fais une macro, ça va être considéré comme du cheat. Mais techniquement, c'est possible. Hein. Petite macro Excel. Et puis c'est gagné. Mais ça me dérange pas d'appuyer sur des boutons, ça va. Ça me dérange pas trop. Oui, tu dis pas que tu fais la macro aussi, mais ça va se voir que la macro va être sans erreur. Alors que parfois, il m'arrive quand même de rater des inputs. 734 viewers pour ça. Pour Super Elite. Super Idlid, c'est... Ouais. D'ailleurs, n'ayant pas vu la vidéo du JDG sur Super Idlid, je sais pas, je la regarderai après le jeu. Il a dit quoi exactement? Tiens, voilà, on va parler de notre meilleur sujet de discussion, le JDG. Il a dit quoi? Ah ouais, je pense que vous... Ouais, je pense que ouais. Oui, je pense... Je pense aussi. Après, moi aussi, je pense que je vous apprécie pour faire ça. Hein. Il y a quand même de... Hein, il y a du don de soi, là. Hein. Que c'était de la merde. D'accord, mais il a juste dit c'est de la merde. Il dit autre chose, quand même, généralement. Non, mais quand je vois... Ouais, il y a des vues du monde sur 3D Blast. Il a dit que c'était pas bien. D'accord.
Ah, c'est plus Virtual Elite qui... D'accord, ok. Ah bah Zio, si tu savais comment je t'apprécie, c'est fou. Mon dieu. Oui, c'est dans ce jeu-là où l'or pèse quelque chose. D'ailleurs, avant, pour que l'or ne soit plus un problème dans le jeu, il faut aller chercher un changeur d'argent. Et le changeur d'argent, je sais plus où il est. Après, je pense qu'il a le, il a dû utiliser le glitch d'XP, hein. De toute façon, apparemment, il est super connu ce glitch hein, dans le jeu. Donc, limite, ils auraient pu le mettre dans le manuel, tu vois. Il y avait du monde sur King Somon, j'avoue, et King Somon, c'était chiant. Oh mon dieu, King Somon. Oh mon dieu, King Somon. Je pense pendant la pub, je vais continuer, hein. Je vous spoil. 5 minutes de ça pendant la pub, ça fera du bien. Ça me fera du bien. Qu'est-ce qui se passe? Ne vous énervez pas, ne vous tapez pas. Voilà. Et Manero qui dit apparemment que tu es plus drôle quand tu es gros. Ah, bon. D'accord. C'est pas mal. Faut être con quand même pour dire des phrases comme ça. Hein. Après, bon, enfin, voilà, mais je pense qu'il faut vraiment être atteint. Mais bon, après, chacun a ses opinions. on regrette déjà Shadow of the Beast. Moi, je le regrette pas. Changeur d'argent, c'est un PNJ de souvenir. Ah bon? Bah apparemment, il faut aller au nord de la... rivière. Quand on verra du jeu, je sais pas. Bientôt. Bientôt. Parce que je me dis, je pourrais arrêter maintenant. Ce karaté est drôle. T'es con. Ce qu'il faudrait faire, je pense, c'est que... Non, quoi que... On va peut-être essayer de jouer au jeu maintenant, mais est-ce qu'il est possible de casser le jeu? En fait, j'aimerais bien casser le jeu et tout casser. Mais vraiment tout baiser. Tu vois, aller dans les donjons et marcher dans les donjons. Juste marcher. Et tout péter. Parce que, si j'ai bien compris, on a une classe d'armure. Donc techniquement, ça veut dire que c'est comme dans Is. D'ailleurs, j'ai jamais fini Is. Is 2. Attends, j'ai fini Is. J'ai fini Is 2. J'ai fini Is, Is 3. Et j'ai pas fini Is 2. Is 1. Is... Oh là là, je ne sais plus. C'est comme dans Is. Ça veut dire que si... t'es vraiment so much power, ils te feront rien les ennemis. Et c'est comme dans Langrisser. Je vais softlock le jeu. Ouais, je softlock le jeu. Mais non, mais là le but quand même est d'arriver jusqu'à. On va aller se vider de l'I. On va aller se vider de l'XP. Ah, c'est moi. On va quand même faire une sauvegarde de on ne sait jamais. Voilà, petite save state d'on ne sait jamais. Alors, oui. Donc il faut 3002, d'accord. Donc là j'ai 3008, je crois. Voilà. Et là il faut 4050 maintenant. Donc là je suis niveau 9. Hein, niveau 9. Niveau 9. Et allez, c'est parti. Allons dégorger l'XP. Niveau 9. Je sais pas on peut aller jusqu'à combien. Il semblerait que la vie va bientôt bloquer au niveau 10. J'ai l'impression que la vie va bloquer au niveau 10. Il manquerait plus que les... Ouais, non, mais les ennemis ne prennent pas un niveau par rapport... Enfin, c'est pas capé. Si c'est capé, je me la coupe.
Si c'est capé, je me la coupe. Je vous préviens. Je suis prêt à me la couper pour la 8e fois. Voilà. C'est vrai que j'ai l'impression d'être dans un social game où on se fait chier. Où tu farmes et tu te fais chier. C'est un glitch officiel Console Mania, car j'ai utilisé mon, mon joker public. Parce que hier, j'ai voulu faire ça en juif, hein, bien entendu. Et Ken Bogard, qui apparemment devait s'amuser énormément à la ROF, m'a surpris. A surpris en plein ébat. Elle m'a dit non, eh oh, comme tu fais, qu'est-ce que tu fais là? Donc du coup, bah, on a dû s'arranger. Bah, ça compte pas. Oui, ça compte pas. Après, t'imagines, j'arrive, j'ai tout vu. T'imagines, j'arrive comme ça, et je fais, oh, les mecs, imaginons que je me mets à gauche, là, et que j'appuie, et que je jette de l'argent, et que je le récupère, et je fais, oh, j'ai trouvé un glitch tout seul. Les gens vont pas être trop d'accord, je pense. Je pense que les gens ne se... Non. Voilà. Il m'a chopé la main sur le stick, quoi. C'était... Il m'a guaqué à distance, t'imagines. Il sait tout. C'est totalement crédible, hein. J'ai trouvé un glitch au pif. Tu sais que tout ce que t'as un escroc, bah ça... Ah là là. Ah oui, bien sûr, pour finir tous les Fantasy Stars, c'est que je suis un escroc. Ça... Mais, quand on pense, là, on est en train de subir. Vous êtes en train de subir quelqu'un qui est en train d'abuser d'un glitch. Mais rappelez-vous que sur Fantasy Star 2, pendant une semaine... Essayez de vous le dire, pendant une semaine entière, j'ai fait que du leveling. Pendant une semaine. Donc finalement, si on s'est tapé un jour, enfin si on s'est tapé pendant une semaine ça, tu peux te taper pendant 2 heures du leveling de chiasse. En plus la musique elle est bien. Voilà. Après, il y a eu Lemmings. Où il semblerait, d'après Zanafer, que j'ai été de mauvaise foi. C'est vrai qu'après regarder le premier épisode des Lemmings, ma mauvaise foi avait atteint des sommets. J'avoue. J'avoue, quand même. Petit boss buffer. Ah, le boss buffer. Putain, j'avais oublié le boss buffer. Tu vois, déjà, il y avait de la baise. Ah ouais. La musique est bien pour de la Mega Drive. Faut toujours replacer la console dans son dans ce qu'elle peut faire et dans ce qu'elle sait faire. Après il y a des musiques quand même sur la Mega Drive qui sont stylées. Mais faut aimer les aigus quand même. Faut vraiment aimer les aigus pour aimer la Mega Drive, je pense. Dans Super, il a parlé de ce glitch. Si tu fais trop de glitch, il se peut que le jeu bug complètement par la suite. Ah. Ah. Quoi? Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Allô, quoi? Non, alors, fais gaffe, hein. Hein? Allô? Quoi? Non. Non. De toute façon, il me faut 3000, là. Non. C'est pas vrai, hein. Attention, hein. Attention. Les aigus et les bruits de paix. C'est vrai. Les bruits de paix, faut que tu aimes. Je crois que vu le nombre de glitch, j'ai foutu. Attendez. C'est vrai? Non, mais est-ce que c'est vrai? Parce qu'à la limite, on a perdu qu'une heure de notre vie. Il en faut 4000. Oh, bah ça bon. Il me faut. Attends, quoi, il me faut 4000 4000 d'XP. Ah non, d'accord. Vous me faites peur là. Hein.
si c'est vrai. Par contre, est-ce qu'on peut quantifier? En vrai, si tu dépasses level 10, tu reviens level 0, c'est vrai? Sérieux? Tu n'auras pas la bonne fin, mais ça va, t'as plus de joker public. Oh, il est 18h! Ça change. Attends, je suis level combien là? Ah, vous me faites peur maintenant. Level 9. Je suis level 9. Hein. Je suis level 9. Ah, vous me faites peur. Bon. Écoutez, vous me faites peur, je vais voir si je peux sauvegarder. Il y a un mec qui torche le jeu level 22. Oh mon dieu! Tu m'as dit quelque chose. Je vais voir si je peux dormir. Ah oui, je peux dormir à 18h. Je peux dormir à 18h! Bah là on va jouer un peu. On va jouer un peu. Allez, je vais jouer un peu. Ça veut dire, attends, mais si j'ai dormi, si je dors à 18h, ça veut dire que j'ai une ration. Mais que là j'ai plus de thunes. Merde. Bon, il va falloir aller tuer des ennemis. Bon, vous m'avez fait peur. Vous m'avez fait peur. Donc on avance. Voilà. Eux, je peux les tuer. Donc, et les verts, ce sont mes amis. Donc n'oubliez pas, tout à gauche, il y a une maison où il y a de la thune. Donc on va aller chercher d'abord la maison dans la... Voilà. Voilà, et de la thune, hein, il me faut de la thune. Voilà, il me faut de la thune. C'est important, il me faut de la thune. Il faut de la thune. Il faut de la thune. La maison, elle est où? Il y a une maison à gauche. Non, attends, on va à gauche. Il y a une maison. Il y a une maison à gauche. Hein. C'est marqué dans le manuel. Hein. Si j'entends une personne me dire de la merde, je le baise. Voilà. Et là, il y a de la thune quelque part. D'accord. Out of freedom. Mystérieuse dimension. Quoi ? Ah mais c'est un... Ah d'accord, en fait c'est le sound test. C'est le sound test du jeu. C'est trop bien. On va mettre dragon. Bon bah voilà. Allez, petite pub. Petite pub pendant le sound test. Oh elle est trop stylée. Non l'OST est trop stylée. Le jeu aura plus de Shadow of the Beast juste pour l'OST. Allez pub, à tout de suite. Re dans Console Mania, re dans Super Guide, et re dans une musique qui tabasse, hein. Franchement, l'OST, elle tabasse, mon gars. Bon, alors, c'est pas... pour certains, c'est bof, mais franchement, je trouve elle tabasse. Peut-être c'est un jeu de merde, mais la musique est classe. Allez, on est tout à gauche du village, et on cherche de la thune. C'est marqué dans le manuel, il faut chercher de la thune. Alors du coup, bah, on va chercher de la thune. Hein. Du coup, je vais tout ramasser, et puis quand je vais trouver la thune, bah, ça sera fini. Voilà. Et on va faire ça, bah, tout le long. D'avoir de la thune cachée quelque part, mais du coup, tu vois un mec qui se jette par terre, parce que... voilà, quoi. On doit chercher de la thune. C'est... il y a de la thune. Bah, écoute, hein, il y a de la thune, hein. Ah, oh putain, on peut monter sur les cailloux, là? Ah non. On peut monter sur les cailloux? Non mais attends. On veut de la thune. Mais... ah! Et ben voilà. 10 000 $. Et ben au pif. Voilà! C'est gagné. Allez, on se tire. J'ai 10 000 $ gratos. Et je peux l'attaquer. Donc lui, il me donne 40 $. Hein. Mais ça va, maintenant que j'ai 10 000 $, on s'en fout. Donc 10 000, c'est pas beaucoup. Hein. Ne croyez pas que 10 000, j'ai fini le jeu. 10 000 balles par terre, c'est gagné. Ouais, bien sûr. Donc on va aller chercher le changeur d'argent. Ah bah ça, ça... Merci la Solus, hein, Mad Nero a raison, merci la Solus. Je remercie encore la Solus.
Si tu m'entends, Solus, sache que sans toi, je n'aurais pas pu faire grand-chose. Salut Eggman. Hop. Un petit billet de 10K par terre, ça fait toujours plaisir. Oui, donc ce qu'on va faire, j'ai une petite ration normalement, je vais voir si je peux pas acheter de l'équipement du coup. Quoique vraiment, est-ce que ça sert d'acheter de l'équipement? Alors, je peux acheter un petit couteau, ça coûte rien un couteau. Attends, est-ce que j'ai pas déjà, déjà de l'équipement? Parce que j'avais récupéré hier un club. Ah non. Bon, allez, on va prendre un couteau. Pour dire, prends une arme. Thank you. Allez, pour dire, prends une arme, j'ai pris un couteau. Alors, use. Oh putain, waouh. Oulala. Oulala. Ça a vraiment augmenté mon attaque. On va prendre une deuxième ration. Attends, est-ce que je peux prendre une armure? Ça coûte cher. Hein. Une petite armure alors. Voilà. Ouais, et ça aussi. Allez. Je pense que. Alors, use. Ok. Et le shield. Ok. Bon. Attends. Détache. Ok, c'est bon. Parfait. Voilà. Le niveau max dans le jeu, je ne sais pas. Apparemment, quelqu'un disait que qu'il y a 22... Il y avait quelqu'un qui était au niveau 22 de manière totalement... Enfin, c'était possible. Grosse ambiance graphique, hein, mais regardez pas les graphismes. Pourquoi Japanese Helmet? Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Alors, la Flask of Medicine, Flask of Oil, Lamp, Strong Medicine, Ampoule of Antitoxine, et bah, du coup, je vais prendre un helmet. Oh, quoique, non. Bundle of Herb. Ouais, mais attends. On va prendre ma ration. Voilà, donc là, j'ai deux rations. Je vais mettre pause et on va regarder le manual. Alors... On va regarder le manuel. Petit manuel, hein. Petit manuel pour savoir qu'est-ce que je dois prendre pour me soigner, car j'en suis sûr que je vais me faire empoisonner. Ça, c'est sûr et certain. Ça, je te le dis, je te spoil. Je vais me faire empoisonner. Donc ça. Ah mais attends, du coup, il y a marqué sûrement. Ah non, ça c'est juste le poids. Pièce, médicaments. Ah d'accord, voilà. Médicine, antidote. Et ça s'appelle antidote aussi. D'accord. Donc les herbes, ça restaure la puissance magique. L'huile, ça... Ok, c'est un carburant pour les lampes. Tu vas me dire, c'est pas... ouais, voilà, c'est bon, c'est japonais. On va appeler ça un casque japonais. C'est vrai. Matériel de camping. Hein. J'aurais bien aimé qu'ils traduisent le jeu, juste pour rigoler un peu. Changeur d'argent, donc ça, il faut la chercher. Pierre de soldat. Ouais. Ah, il y a différents types de pièces. Tu te swaps des pièces de 10 dollars, 100 dollars et 1000 dollars. C'est des pièces de 1000 dollars. Donc en fait, 10 000 dollars, j'ai récupéré que 10 pièces par terre. Oh, ça va. Ça va, ça va. Ça va. Petite safe state. Hein. Donc il y a vraiment un truc qui s'appelle antidote. Donc apparemment. Donc là, il y a du tearing. Hein, c'est normal. Je vais juste. D'accord, il y a des choses que je ne sais pas ce que c'est. Ok. Va directement dans conseil pour réussir sa quête. Ouais, mais on y allait dans les conseils pour réussir sa quête. Mais je crois pas qu'il y ait marqué. Donc l'argent, on l'a récupéré. Donc les armes, il faut pas faire le fou. Votre personnage est faible, donc le changeur d'argent. Donc ça, je sais. Il est possible de porter un objet qui s'y dépasse sa capacité. Lorsque votre personne doit battre contre un personnage chef rapide, oui. Bon. Ah, haute vie. Ah putain, j'ai pas vu. Livret bancaire permet d'utiliser la banque. Pierre de nuage. Alors,
Bloodstone, cure all medicine. Ouais, talisman, cat eyes. Oh. See in the dark. In darkness, d'accord. Donc ça va. Fake medicine, invisibility. Oh. Il y a un compas, c'est génial. Mais ça me dit pas comment. Ok. Bon, bah écoutez, on va faire ça au pif. Allez. On va faire ça au pif, les mecs. Non, parce que c'est bien de faire ça au pif. Voilà. Allez, on va faire ça au pif. Est-ce que tu peux acheter à la fin du jeu? C'est. Non, non. Ah, ça aurait été 5 sur 5. Tu peux acheter la fin du jeu, pour moi, c'est 5 sur 5. Mais par contre, Zanafer me disait qu'apparemment, il y a moyen d'acheter avec. D'acheter des sorts avec de l'expérience. Attends, quoi? Ok, donc lui, il n'a rien à me dire. Monsieur? C'est génial ce que vous me dites, les mecs. C'est vraiment super intéressant. Peut-être si je refuse. Non. Ok, donc si tu refuses, c'est. Tu t'en vas. Ah, il est 13h, j'ai mangé ma petite ration. Mais. Ouais. Ouais. Donc là, ça, c'est l'auberge. Il y a quoi en bas? Il n'y a pas de maison où je peux rentrer. Kedi l'aurait déjà fini, bien sûr. Je sais d'ailleurs même pas. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc là, ça ne sert à rien. Et à droite, il y a la banque. Bon, eh ben écoutez. Je vais racheter une ration. On va aller se coucher pour sauvegarder et on va avancer. Allez. Je peux mettre le jeu plus. Je peux mettre plus rapide, hein. Vous avez vu, regardez. Je peux rendre le jeu super rapide. Ouh, mais le temps passe très très vite. Et c'est pas top. Regardez, ouh, on s'amuse, voilà le jeu, voilà le jeu, c'est fou. Petite avance rapide officielle, hein. C'est une avance rapide officielle. Ah, par contre, avance rapide officielle dit, c'est chiant. Ouais. On va se coucher à 15h. On va se coucher à 15h. Allez! On y va, on va chercher le changeur d'argent. Ah, pendant que Célia a rigolé, apparemment, il s'est passé. Ah, donc là, le mec bloque la sortie. Donc il faut attendre que le mec se casse. Vas-y, casse-toi, 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 casse-toi. Merci. On y va. Donc au nord de la. De la rivière. Donc elle est où la rivière? On va aller au nord, hein. De toute façon on va piffer. Hein. Ok. Ok. Voilà, donc là il y a la rivière. Maintenant, au nord de cette rivière. Je pense qu'il faut passer de l'autre côté de cette rivière. Peut-être. Peut-être, donc là il y a des trucs. Attends, il n'y a pas des trucs à récupérer, non? On sait jamais. Ah, là il y a l'air d'avoir un trou. Ok, il y avait l'air d'avoir un trou. Des tweets. Tweets, 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 tweets. Là je continue. Ok. Ok. On peut pas les péter? Où suis-je? Alors, attendez. Ok, je suis juste passé devant, je n'ai pas cliqué ou quoi que ce soit. Hein. Je suis juste passé devant. Quand tu passes devant, d'accord, en fait, quand tu passes devant, ça s'ouvre. Ok. Bah, si tu veux, hein. Tu passes devant, ça s'ouvre. Bah, je vais passer devant toutes les trucs, hein.
Mais par contre, le nord. Là, techniquement. Je suis au nord. C'est peut-être pas le bon nord. Qui sait? Je pense que je dois chercher un coffre. Hein. C'est le nord. Et ouais. Je peux pas nager, hein, bien sûr. Donc il me fait rien. En fait, c'est même pas. C'est pas comme Is en fait. Hein. C'est vraiment comme l'engraisseur. Hein. Si les mecs ont pas une force assez élevée, ça ne passe pas. Non, même pas. Ne parlez pas de Zelda. Zelda, c'est mauvais, vous le savez. Super Elite, c'est beaucoup mieux. Jouer à Super Elite quand même. Mais comment tu fais? Bon, c'est pas grave. Oulala. Ah, on peut faire le tour. Faites le tour, faites le tour, faites le tour. Ça, c'est un bon monstre. Hein. C'est un monstre gentil. Mettre des monstres gentils, quoi. On t'appelle pas ça des monstres, connard. Mais attends, mais... What the fuck? Ah! Attends, au nord? Et c'est au sud. Cela, il y a clairement une... C'est un coffre, ça, hein. Ouais, ça a l'air d'être un coffre, ce truc. Ça a l'air d'être un coffre. Ce qui est bien, c'est que je pourrais plus jamais revenir à mon point de départ. Putain, mais cette musique, mon gars. Ah quoi, merde, j'ai pas lu. Bah... Ah, le money changer. Voilà. Non, surtout pas lui, attaquer. T'as ce petit solo. Use. Est-ce que je l'ai use? Ok, je sais pas ce que ça a fait. Donc maintenant, est-ce que je peux revenir en arrière? Ah, il est 13h, j'ai mangé ma petite oration. Mais il faut vite que je revienne. Car si je n'arrive pas à 23h... à 23h en ville, ma maman va me taper les fesses. Parce que je suis pas rentré à la maison. Ah là là. Voilà. Ce n'est pas du tout la maison. J'ai envie d'accélérer le jeu. Hein. Ouais, je vais l'accélérer parce que ça m'embête en fait là. Ouais, ça me fait chier. Ouais, j'ai tenu 5 secondes. Hein, voilà. Oh, je vais me perdre. Oh, je vais me perdre. Oh là là, je vais me perdre. Oh là là, je me suis perdu. Bon, bah... Écoute... On va aller là. Je suis perdu. Je me suis perdu. Je me suis perdu. Ok, semblerait que ça soit une ville. C'est une ville. Ah, zéro fun. Attends, il y a de la musique. La musique est bonne. Attends, c'est quoi ça? La musique est bonne. Non mais Atto. Allô? Atto? Non, j'ai dit Atto. Non. Bonjour madame. Non, elle n'a rien à dire. Bonjour monsieur. The warehouse at the edge of the city seems to be hanté. Eh ben, c'est génial.
D'accord, bon, j'ai trouvé quand même le moyen de me reposer. J'ai trouvé le changeur d'argent. Ok. Allô? Allô, c'est bon. Allez, poussez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, poussez-vous. Donc là, il y a un truc. Une vie sous une tombe. Hein. Donc là, je peux acheter des trucs. Mais bon. Je peux acheter une ration. Ouais, allez, on va acheter une ration. Voilà, je vais même en acheter deux. Et je vais aller vite, vite, avant qu'il soit 19h, me coucher. Si je me couche avant 19h, j'économise une ration. Vite! Vite, 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 36, 37, 38, 39. Oulala, 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 oulala. Ah, 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 voilà, j'économise une ration. Oui. Moi, je veux revenir dans ma ville d'origine. Est-ce qu'il était dit qu'il y avait les monstres, que les monstres étaient non, enfin qu'il fallait aller au nord de la ville. Mais si je retrouve pas la ville, je peux pas aller au nord. Petit marathon pour garder la bouffe. Hein. Alors. Peut-être que c'est là. Tiens, ça me dit rien. Ouais, la solution pour la faim dans le monde, c'est le sommeil. Hein. Tu dors, t'as plus faim. Par contre, c'est chiant. Mais là, j'y suis déjà allé. Alors, attendez. J'ai peur d'être perdu, en fait. À la limite, si je vais n'importe où. Non mais sérieusement. Attends, c'est pas la map du jeu qui tourne en rond là? Ah, attends, rappelez-vous. Attends, ça je me rappelle d'hier ça. La ville était pas loin de la faille. C'est dans pas longtemps là. C'est dans quelques écrans. Il y avait la ville qui était pas loin. Oh putain, j'en peux plus. Ah là! Putain, c'est la ville. C'est la ville, c'est la ville, c'est la ville. Voilà. Ça, c'était la ville. Donc il fallait maintenant au nord. C'était mieux quand tu faisais le glitch. Ouais, tu vois, c'est, finalement, les gens se plaignent, mais... Donc, là, maintenant, c'est au nord. Au nord. Au nord. Bah, ouais. Bah, écoute... Ah! Bon, au nord, ouais, bah dans un sens c'est au nord. Et bah allez, go! Ok. Bon, pour l'instant je ne perds pas de vie, donc c'est que les ennemis doivent pas être très bons. Poui. Donc labyrinthe, petit labyrinthe. Des bisous ceinturion. Pas ceinturion, ceinturion. Ceinturion. Pourquoi ceinturion? Oh. 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 Allez, petit labyrinthe, hein. On va faire le tour. Faites le tour. Faites le tour. Oh. Oh! Il semblerait que je me sois... Ça fait mal. Apparemment, faut pas se faire toucher, quand même. Hein.
Ah, donc là, c'est pas par là. Attends, tu te fous de ma gueule? Tu vas me dire que là, on passe pas. Bah, ta mère. Comment on va là? Voilà, ça, ça fait mal, hein. Faut faire gaffe. Mais attends. Est-ce que le donjon est infini? Oh. Mais le donjon est infini? Oh là là. Ah merde. Attends, on va tuer ça. Ouh, ouais, oh, ça fait mal ça. Attends, je suis quand même. J'ai fait un glitch de, enfin, de niveau. Et il y a quand même les ennemis qui. J'ai pris deux coups. J'ai pris deux coups. Des bisous. J'ai pris deux coups. Oh là là, mais. Ok. Donc ils font passer par là. Ok. Non, ils sont pas gentils les verts. C'est méchant, ils attaquent. Enfin non, c'est un blanc en plus. Il est pas vert, il est blanc. Putain, ah, sûrement par là. Attends, il y a aucune indication d'où je suis en plus, hein. Oh là là, ce jeu va être bien, je crois. Ce jeu va être bien parce que, du coup, quand il me donne aucune indication de ce que je fais... Voilà, vas-y. Ah. Oh non, c'est pas un spot infini. Spot infini. Non, c'est bon. Ah. Oh, une porte. Ah. Un coffre. Attends, mais il y a une porte. Ah. Un petit cul-de-sac. Connard. Je m'en fous du coffre. Moi, je prends la porte. Ah. Bah, t'iras te faire mettre. Ah d'accord, il y avait un ennemi, ça bloquait le... Allez. Talisman. Ah, le talisman, il servait à quoi? Attends, je vais... Non, star. Ce jeu, so user-friendly, ouais, ouais. Il y a des trappes, hein, apparemment. Il y a moyen de se faire trapper. Il y a moyen de se faire trapper. Je vais juste regarder, en fait. Enfin, je pense que vous n'allez pas le voir. Non, parce qu'il n'y a plus de tiering, donc voilà. Le talisman. À quoi servait-il? Le talisman. Double la durée des effets de la magie. Ok. Bon, bah... Quel dommage. Quel dommage. Tu pensais que ça allait t'aider. Quel dommage. Va bien. Va bien te faire voir. Ah, j'ai récupéré de la vie. Ah bah oui, j'ai récupéré de la vie car j'ai pris une petite oration of food. Ah bah oui. Ah bah oui. Et donc là, je dois aller ici. Il me semble. Ah, peut-être que je peux aller ici. Je ne comprends rien. Attends, je peux peut-être aller ici. Ah. Non. Apparemment, je n'ai pas le droit. D'accord. Alors, peut-être... Que... Non, mais comment je fais pour aller en bas? Ah. Pour aller en bas, faut peut-être aller à droite. Ah, il fait nuit. Il est 20h. Oulala, bientôt aller me coucher à 23h. Oulala.
Attention, hein, si je ne me couche pas à 23... Oula, faut faire tout le tour. Bah, c'est bizarre, quand même. C'est bizarre. Devoir faire le tour, ça me semble bizarre. Donc mon attaque power après 23h baisse, hein, donc j'ai intérêt de me grouiller le cul parce que si ça se trouve, je vais être à 23h devant le boss et je vais devoir tout recommencer. Ok. Oulala, 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 oulala. Oh là là, oh là là. Bon, il semblerait que maintenant il y a des méchants, mais plus méchants. Ok. Ok. Ok, apparemment tuer l'ennemi c'est pas possible. Je pense que je vais pas y arriver. Je sais pas pourquoi mais je pense que ce donjon il va me faire foutre. On va faire un truc. Vous n'avez... Oula. Oula. Il fait mal quand même hein. Ok. Donc ça je peux pas y aller. Je pense que les... Non, ça va pas le faire. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je vais mourir. Ah, il y a un trou. Enfin, il y a un trou, il y a un passage. Bon, bah, je m'enfonce, hein. Ouh ! Il semblerait que même avec 53 levels d'avance, je me suis fait trouer le fillon. Bon. On va prendre ma ration au food, hein. Oui. Ah. Oui, bah tiens. Le jeu vidéo. Gros jeu vidéo, hein. J'imagine même pas si t'essayes de jouer de façon legit. Voilà. Hein. Ah, un cul-de-sac. Ouais. Non mais jouer de façon legit au jeu, hein, c'est vraiment intéressant. Et en plus on doit faire tout le tour, donc je vais me taper cet ennemi là. Ça se trouve en fait faut pas le taper. Hein. Donc là il y a des yeux, je vais pas toucher les yeux. Ok, les yeux font mal, c'est normal. Les yeux font mal. Attendez, non, je me casse. Non, attendez. D'accord. Donc, aïe, je vais mourir. Je vais mourir, tu le sais. Au fond de toi, tu le sais. Tu le sais, je vais mourir. Oh putain, j'ai plus envie de jouer à ce jeu de merde. Je vais mourir. Non, ah, il m'a pas vu. Ah, peut-être que lui va pas me voir, mais tu m'as pas vu. Et là, je vais tomber contre le boss. Oh, the power source for elevator has been located. Do you wish to use it? Bah oui, bien sûr. Quoi? Hein? Attends, je suis revenu au début là? Oh putain, bah attends, si je suis revenu au début, je vais sortir. Je vais sortir. Oh, je peux pas sortir. Faut sortir là maintenant, monsieur. Non, apparemment, j'ai trouvé un truc. Je vais sortir. Oh putain. Labyrinthe. Oh putain, qui aime les labyrinthes? Mais personne n'aime les labyrinthes. Personne. Je sors. Donc ça veut dire que ça, je peux l'utiliser maintenant. D'accord, je peux l'utiliser. Non. Mais je veux. Attends, quoi que, non. Si. J'utilise, oui. Yes. Je suis au deuxième floor. Tu peux aller au... Ok, tu peux aller au 199e ou 188. Ok, donc on va au deuxième. Non, je m'en vais. Au fond de moi, je veux partir. Je veux rentrer chez moi. Il faut aller en haut. J'ai plus de ration. Il est minuit 41. Toutes les 6 heures, je dois manger. Oh, le jeu vidéo! Ah, je suis mort! Normalement, je suis mort. L'ennemi m'a attaqué hors de l'écran. Oh putain, il y a un ennemi qui m'a attaqué hors de l'écran. Oh oui. Oh putain, oui. Frappe-moi. Continue de frapper le jeu, là, j'aime bien. L'ennemi m'a frappé en dehors de l'écran. Je vais mourir. Oh là, qu'est-ce que c'est bien le jeu vidéo, bordel. Le karma. Le zéro de vital, je peux le faire. Oh là 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 là. Non, faut pas que je meure. Un petit cul-de-sac, s'il te plaît, allez, un petit cul-de-sac pour rigoler. C'est vachement drôle.
Si je me prends une araignée, c'est fini. Une araignée, je peux mourir. Elle sort de là. Sors. Oh là là, la fin. Casse-toi. Casse-toi. Non, touche-moi pas. Casse-toi. La fin. La fin. Enfin, la fin. Le début. Ah, c'est drôle. Oh là 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 là. Oh là là, il y a une araignée. Ouais. Viens là. Ok, bah d'accord, ça ne faisait plus rien. Bah oui, il était 23h passé. Il était 23h passé. Allez, on recommence. C'est normal. Il était 23h passé. Bah oui. Passer la nuit, tu ne peux plus jouer au jeu. Le jeu devient un fils de pute. Voilà, voilà, voilà. Bon. Eh ben, écoute. Il est 14h33. Il est 14h33. Je me suis acheté du stuff, mais peut-être pas assez. Alors, il est 14h33. Il est 14h33. Oh, ta mère. Oh là là, je ne sais plus où il faut que j'aille. Ok, je ne sais pas ce que c'est ça, je n'y vais pas, c'est pas grave. Apparemment, je découvre... Tu ne fais pas de safe state? Ah bah, si seulement. Mais moi, je m'en fous, là. Je veux juste trouver ma ville. Ah putain, le pif complet. Ok. Voilà. Il est 14h34. Voilà. 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 Alors. Ah. Ta 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 ta. Vivement 35. C'est bizarre, j'ai l'impression de revivre une scène. J'ai l'impression de revivre une scène. J'ai vraiment l'impression de revivre une scène. D'ailleurs, on revit tellement une scène qu'il faut revivre un moment. Oh non, pas celui-ci. Ah, celui-ci. Voilà. Allez. Voilà. Je croyais que j'allais rouler sur le jeu là. Putain, chier. Le jeu était assez compliqué comme ça, non? Je crois qu'en fait, dès que ça passe la nuit, t'es mort. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait aller dans le. Faudrait aller dans le donjon, activer l'ascenseur et repartir pour aller dormir, revenir le matin pour aller démonter le monstre. Peut-être. Oh là. Bon, on est encore 700. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez pas autre chose à faire? Vous avez pas autre chose à faire là? Parce que. On va y passer toute notre vie, putain. Oh là là, je vais y passer toute ma vie sur ce jeu à la con. On se referait Krusty, putain, j'avoue. Un petit clax? Un petit clax. Ami, on fait péter, oh. J'avoue.
Il n'y a pas de tente dans le jeu, si, il y en a, ouais. Mais je sais pas si elle... Ah, quoique si, ouais, t'as raison, en fait, ouais. Ouais, la tente... ouais, bah ouais, il a raison. Oh là là. Je sais pas, parce que... En fait, je de lui... il est là pour dire... Ah là là. Qu'est-ce que c'est une bonne console, le Mega Drive. Fouah, je m'en... Quelle chance de ne pas l'avoir eu. Enfin, de l'avoir possédé, plutôt. Des bisous, Viper. Quelle chance. Franchement, je pourrais presque mettre une VOD d'un puzzle. Ce serait bien. Salut, c'est quand qu'on mange? Ah bah on mange bientôt. C'est quand qu'on mange? Moi je mange dans 25 minutes. C'est vrai que dans un sens, Lid avait bien copié. Dans un sens. Mais mais non, ça n'a pas marché. T'aurais dû faire un console mania Game Boy. Ah oh ouais, putain, si je fais Game Boy, en plus je peux techniquement combattre mon jeu Bugs Bunny. Enfin, non, c'est même pas un jeu Bugs Bunny, c'est un... je sais même plus comment on l'appelle, mais la PSP. Stream du fun, ouais. Bah, en fait, j'aimerais arrêter de faire ça. J'aimerais arrêter de faire ce glitch. Je vous le dis, franchement, j'aimerais arrêter de faire ce glitch. Mais le problème, c'est qu'il semblerait que un ennemi m'a mis mid-bar. Alors, si ça se trouve, c'est parce que j'avais pas le bon équipement. Mais on m'a mis quand même mid-bar. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que je ne roule pas sur le jeu. Et j'ai vraiment envie de rouler sur le jeu, en fait. Bah, un console mania avec une chaîne entière, bah, ça serait bête. Parce que. Ah, que console mania, même sur plein d'autres consoles. On se ferait chier, les mecs. Franchement, ça m'intéresse plus de voir d'autres programmes. Et prendre un jour de congé, ouais, ça serait bien, mais... Je pourrais pas interagir avec le chat. Et il y aurait... je sais plus comment il s'appelle, le mec, là. Kellomcell, je crois. Qui va venir et qui va dire... C'est une rediff. Donc, non, tu vois, je... Il faut pas. Non, pas la Neo Geo. La Neo Geo, il y a que des jeux de combat et... Non, pas que les... Et des shoot'em up. Je vous prends tous. D'accord, apparemment Petit Avion vient de se réveiller d'il y a 2 heures. fait comme Petit Avion, triche. Ah mais de quoi? Il a triché sur quoi? Attendez, quoi? Attends, Petit Avion triche? Est-ce qu'il a triché sur Undertale? Oh mon dieu, j'ai dit Undertale. Il l'a dit. On risque d'avoir des problèmes. Ah oui, Neo Geo, moi je le veux pas. Hein. Si on me demande, on le laisse pour verder. Hein. Totalement, moi je le veux pas. Je veux pas, j'ai dit je le veux pas. Tu le prends, je le veux pas. Attends, nous allons regarder combien. 6000 d'XP là. Là je peux avoir un. Ouais, mais bien sûr, là, je peux avoir un truc. Saturne, par contre, je dis pas non. Non, Saturne, je dis pas non. J'aime bien Saturne. Ah, j'ai gagné un petit level. Donc là, je suis presque max. Max. Alors, you need 5000. Et j'ai combien? You need 5000. You need 5000 et j'ai 2000. Oh là là. Donc, you need 5000.
Donc il me reste 3000 d'expérience. Donc il me reste à faire ça 100 fois. Oh putain, c'est tellement chiant. Donc il faut, faut que je fasse ça pendant 100, enfin 100 fois. Oh là là. Allez, 2. Allez, on compte tous ensemble. 2. 3. Allez, avant 15h. 4. 5. Oh là, encore 95. 6. 7. 8. Avec le décalage, c'est génial. 9. 10. Bien. Allez, on recommence. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, je prends de l'avance. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Attends, 34. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Je fous le fun. 42. 43. Oh! Ah, j'ai pris ma ration. Oh là là. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Ouh, on est à la moitié. 51. 52. 53. Ouh, allez, on y va. La patience. 54. Patience. Ouh, 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71, oula, pas 71. 72.
73. 74. 75. Non, ah, non, ah, oula. 76. Non, ah, oh, ah, oh. 77. 77. 78. 79. 80. 81. On est bientôt à la fin. 82. 83. On va y arriver. 84. Ah, 85. Ah, 85, ça bloque. Ah, c'est bon. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. Oh là 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 là, je m'emballe. 93. 94. 95. On va y arriver, on va y arriver. Oh, 96. Ah, oh, je suis prêt là, je suis prêt de la fin là, je le sens. 97. 98. Ah, et là soft lock. 99 soft lock maintenant. Dépêche-toi. 100. Ah, ah, ah oui. Oui, j'ai 5000 en XP. Ah, ah, ah oui. Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait, putain. Sans patate. Oh putain. Voilà, j'ai gagné un level. Allez. Maintenant, il faut 6000 XP, donc il me faut 200. Allez, 200 fois. Je le ferai pas. Je vous préviens, je le ferai pas. Attends, je dépasse la barre. Où j'ai la barre? Où j'ai la barre? Je dépasse la barre. Il dépasse de la barre. J'ai 164 en force. Ouais. Bon, on va, vous savez ce qu'on va faire, on va quand même sauvegarder. Hein. On va aller se soigner. Attends, j'ai combien de thunes? Oh, j'ai 8000$. Ça va. Oh, quoique. Bah non, il est que 14h. Est-ce que j'ai une ration? J'ai une ration à food. Oula, apparemment Célia est tombée. Non, mais il y a la barre qui déborde, hein. je vous mens pas, vous voyez la barre qui... La barre qui déborde. Bon, il faudrait peut-être prendre une arme un peu plus efficace. Donc, j'ai pris un shield, un letter, une battle axe. Mais est-ce que je peux... Ouais, non, ça c'est beaucoup quand même. Un club, une dague à 1000$. C'est lui qui tombe RS. Je pense que la dague est pour le voleur. Comme ça au pif, hein. J'imagine qu'une dague, c'est pour le voleur. Du coup, j'ose pas. Je pense qu'on ira, j'irai chercher sur le manual. Est-ce que je peux aller à la banque? Please bring the bank cook. Ah, j'ai pas le. Ok, je n'ai pas le moyen de. Ouais, ok. On va aller acheter de la ration. Et arrêter là. Et on va arrêter là le stream, et pour une fois, je vais rendre à l'heure. C'est peut-être fou, comme ça. Dit comme ça, ça semble même assez... assez gonflé de ma part. Mais pour vous,
je vais essayer de rendre à l'heure. Ouais. Ouais. Alors. Faut que je trouve un moyen de baiser le jeu. Alors je vais vous spoil, je vais y jouer, avant demain. C'est-à-dire que je vais jouer moi tout seul. Enfin dans le sens, je vais jouer moi tout seul. On fera le jeu ensemble, mais je vais essayer d'avancer pour voir s'il y a moyen que je le baise, parce que ça là. Voilà. J'en ai marre, j'en peux plus. Bref, du coup, je vous enlève le fun. Car je suis encore là, hein. Ce n'est pas une rediff. Et on va... Ah, oh, oula. Oh putain, j'ai eu tellement peur. Je crois que j'avais softlock le jeu. Allez, on va sauvegarder. Have a nice day, bien sûr. Voilà. Donc je mets en pause. Sans peur, sans rien. Je fais une petite sauvegarde de fin de session. Petite FE5. Je fais une petite sauvegarde. Et j'appelle ça 100. Mais j'ai avec beaucoup de zéros, donc ça fait pas 100. Mais on va dire que c'est comme si ça faisait 100. Trouve une map pour demain. Ah, c'est vrai que ça serait bien de trouver une map. Mais je sais pas s'il y a une map dans le jeu. Ça veut dire quoi, ça là? Je sais pas. T'as vraiment qu'il faut finir le jeu en jour 10. Non. Ah non. Non. Pourquoi? Qu'est-ce que Tahiti Douche me dit qu'il faut que je finisse le jeu en 10 jours. Il y a marqué ça dans le manuel? Non, tu rigoles. Non, cet homme ment. Cet homme veut ma mort, je n'écouterai pas Tahiti Douche. Je m'en vais et je vous fais des bisous pendant que Célia vient de retomber sûrement. Je vais aller la ramasser et je vous dis à ce soir de 19h à 21h pour Mario Mazo, hein, ou plutôt un Roulette Rider Mazo, et de 21h à plus sur la chaîne perso pour faire du camion. Eh oui. Allez, à ce soir, tout de suite, c'est Pseudoless avec peut-être la suite de Priny, ou alors parce que j'ai pas suivi, il est allé plus loin. Partons du principe que c'est Priny 2, partons du principe que c'est peut-être autre chose, partons du principe que c'est sûr que ça soit Pseudoless, enfin que ça va être Pseudoless. Allez, la bise la baise, à ce soir. La bise la baise. Baise.